Donc aujourd'hui, j'aimerais parler de ce que l'on peut appeler l'approche multicarte au problème du mouvement en relativité générale. La dernière fois, il y a eu une question de Pierre Van Hove concernant l'approche diagrammatique, où quand dans l'approche diagrammatique, on traite le mouvement de plusieurs corps, ça va être pour le système solaire là, que je développe ça, et il y avait l'échange d'un champ gravitationnel linéarisé, c'est-à-dire d'un graviton au sens des diagrammes de Feynman, mais il y a aussi des diagrammes de ce type-là qui sont liés à l'action de et d'autres, ou pour un seul corps, comme ça, qui sont liés à l'action de la gravitation créée par un corps 1 qui agit sur le corps 1 lui-même, c'est-à-dire de l'auto-gravitation, ça peut être des termes de boucle, et un diagramme de ce type-là, en physique classique, veut dire que vous calculez en fait l'énergie d'auto-interaction gravitationnelle d'un corps sur lui-même. Et certains diagrammes de ce type-là veulent dire, vous posez la question, savoir si l'énergie de liaison gravitationnelle gravite elle-même et comment vous en tenez compte dans le formalisme. Et j'avais dit que pour faire ça, il faut avoir une technique spéciale, et c'est celle que je vais expliquer, qui s'applique à la fois dans le système solaire et surtout pour traiter le mouvement de corps fortement autogravitant, comme les étoiles à neutrons ou les trous noirs, où vous ne pouvez pas utiliser a priori les mêmes techniques de champ faible que j'ai expliqué, parce que ça c'est une théorie de perturbation en champ faible. Donc pour traiter les effets d'autogravitation, on revient conceptuellement à ce que la théorie mathématique des variétés différenciables nous dit, qui est que vous ne devriez pas utiliser toujours une seule carte. C'est que si vous voulez représenter une variété différenciable comme la surface de la Terre, on sait depuis bien avant la définition des variétés différenciables par les cartographistes, les cartographes de l'Antiquité, que vous avez intérêt en fait à utiliser plusieurs cartes. Si vous voulez représenter cette zone du globe, vous avez une copie locale de R2 et une application de R2 localement. Et puis si vous voulez représenter cette partie de la Terre, vous avez localement une carte, c'est-à-dire un R2 local, mais vous avez une application comme ça, etc. Et donc, on sait non seulement pour des raisons topologiques qu'il est impossible de couvrir de façon complète la sphère par une seule carte, mais pour des raisons pratiques, si vous voulez bien représenter sans trop de déformation la géométrie, vous avez intérêt à utiliser plusieurs cartes. Et c'est justement ce qu'on appelle un atlas, c'est-à-dire un ensemble recouvrant de cartes. L'approche traditionnelle du problème du mouvement de n corps en relativité générale, en fait, consistait à utiliser une seule carte et donc à se dire, j'ai un certain espace-temps et comme, qui est le système solaire, donc avec le Soleil, plusieurs planètes, et puis comme tout ça, c'est des champs gravitationnels faibles, on se dit, bon, je vais pouvoir utiliser une seule carte et dans cette carte, écrire que la métrique, dans cette carte globale, est une déviation faible de la métrique plate partout sur cette carte et donc essayer de résoudre les équations d'Einstein comme ça uniformément dans tout le système solaire par un seul processus d'approximation linéaire et non linéaire en H mais en utilisant une seule carte. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème technique, mais en fait il y a des problèmes pratiques surtout avec les techniques modernes de haute précision. Parce que quand vous faites ça, ça veut dire que la représentation des corps du système solaire, par exemple de la Terre, elle est déformée, puisque la Terre est, c'est un peu cette image-là, la Terre, elle crée des champs gravitationnels localement qui sont des bosses,
et en plus elle est en mouvement. Et donc au minimum, quand vous représentez la Terre en mouvement dans cette carte-là, vous aurez des effets liés à la transformation de Lorentz, c'est-à-dire que la Terre devra être écrasée dans la direction du mouvement, puisque vous la représentez dans une carte où elle est en mouvement. Et puis vous avez d'autres effets qui vont au-delà des contractions de Lorentz et de la dilatation des temps, qui sont purement gravitationnels, qui fait en plus un changement de la taille de la Terre, si vous voulez la représenter là-dedans. Et en fait, dans les années 70, certains développeurs de logiciels qui représentaient la mécanique céleste relativiste avaient oublié certains de ces effets-là. Et ces effets-là, pour la Terre, par exemple, c'est des effets de contraction de l'ordre de 1 cm. Pendant longtemps, 1 cm, ce n'était pas important. Mais aujourd'hui, les techniques de mesure de distance et d'échange de rayons lumineux descendent en dessous du centimètre. Et donc, il est important de tenir compte de ces effets-là. Sinon, vous avez des résultats faux. Et donc, il est utile, ça c'est l'approche traditionnelle de la théorie des perturbations, une carte, de passer à une approche multicarte, c'est-à-dire de se dire, eh bien, on va faire comme ce que l'on fait depuis toujours en physique newtonienne, ou en physique newtonienne, quand vous voulez représenter l'ensemble du système solaire, en fait, vous utilisez un référentiel géocentrique pour représenter ce qui se passe au voisinage de la Terre, en particulier les moments multipolaires de la Terre, par exemple le moment quadrupolaire de la Terre, ne sont pas définis dans un référentiel où la Terre bouge, mais un référentiel lié à la Terre, un référentiel géocentrique, et vous utilisez un référentiel barycentrique, en revanche, c'est lié au barycentre du système solaire, pour représenter le mouvement des centres de masse de toutes les planètes du système solaire. D'autant plus que dans cette approche-là, si vous voulez discuter le problème du mouvement de N-corps étendu, vous avez le problème de définir, mais qu'est-ce qu'on appelle centre de masse ? Ça va être quoi finalement? Qu'est-ce que je vais appeler centre de masse de la Terre représenté là-dedans, vu qu'on est en relativité générale, qu'il n'y a pas de bonne définition du centre de masse? Alors qu'on va voir que si on définit... Donc l'idée, c'est d'avoir une approche multicarte. Il va y avoir, pour un problème à n corps, il va y avoir n plus une carte. Une carte globale qui permet de représenter tout le monde ensemble, donc du type barycentrique pour le système solaire, et puis une carte locale attachée en un certain sens, mais qu'il faudra définir à chaque corps. Donc par exemple, si ça c'est la Terre, ça c'est c'est le corps 1, et là il va y avoir des coordonnées locales, mais qui sont ici dénotées grand X, 1, et par opposition aux coordonnées globales, petit x, indice mu, grand X 1, indice alpha. Il est commode pour bien distinguer les choses, d'utiliser des indices grecs de la fin de l'alphabet pour les cartes globales, comme ça on sait de quoi on parle, mu, nu, lambda, etc. Et pour les cartes locales, d'utiliser le début de l'alphabet grec, alpha, bêta, gamma, et puis en plus un indice pour dire si c'est le corps 1, le corps 2, etc. Donc, et cette approche, comme je l'ai dit, dans le cas du système solaire, elle est utile pour pouvoir expliquer les mesures de haute précision, mais dans le cas d'un système de deux trous noirs ou deux étoiles à neutrons, en fait, elle est indispensable pour savoir de quoi on parle. Donc, maintenant, je vais montrer comment est-ce qu'on applique pratiquement cette méthode. Et pour ça, je vais... Et comme je l'ai dit la dernière fois, pour traiter le mouvement de deux corps... dans le système solaire, il faut aller au-delà de l'approximation linéarisée qui correspond à un échange comme ça, une action entre deux corps décrite seulement par l'échange d'un graviton, avec des termes non linéaires de ce type-là et de ce type-là. Et donc ça veut dire qu'on doit traiter les équations d'Einstein non plus au niveau de l'approximation linéarisée, mais en prenant compte des termes du premier ordre au-delà de ça. Alors d'abord, je vous rappelle ce que voulait dire l'approximation la plus basse, l'approximation newtonienne. L'approximation newtonienne suffit à dire que G00 moins 1 plus un premier terme qui introduit un potentiel U, et ce potentiel-là satisfait à l'ordre le plus bas une équation du type Laplace de U égale moins 4 pi G avec quelque chose dans le membre de droite qui est une approximation de la densité de masse.
J'ai fait ça dans les cours précédents, mais à chaque étape où je faisais ça, je négligeais des sauces, par exemple. Ici, c'était pas toujours... Il y avait d'autres composantes de thé qui intervenaient, mais à un moment, on disait, oui, mais c'est ça qui est dominant. Et puis là, il y avait d'autres termes qui étaient là, à la fois des termes en dérivé par rapport au temps, et puis des termes non linéaires en U. Bon, tout ça va entrer dans ces termes-là. Les autres composantes de la métrique, à la même approximation, il y avait une déviation de la métrique d'espace, bon, plus des termes derrière, et puis on n'avait pas besoin, en fait, pour déduire de l'action géodésique d'une particule test dans la métrique G-menu, pour déduire les équations de Newton à l'ordre le plus bas, c'est-à-dire d2 sur dt2 égale gradient du potentiel U, il suffisait de résoudre les équations d'Einstein à l'ordre le plus bas, c'est-à-dire en négligeant ces termes-là dans les équations d'Einstein et les termes linéaires, et en négligeant ces termes-là. Autrement dit, ça correspondait, oui, maintenant, on va aller au-delà, et comme je le disais la dernière fois, aller au-delà, ça veut dire tenir compte de termes qui diagrammatiquement sont comme ça, mais qui veulent dire des termes cubiques dans l'action. Hein. Un terme comme ça veut dire qu'il y a trois champs H qui interagissent dans l'action avec deux dérivés, et quand vous dérivez l'action pour avoir les équations du mouvement, c'est-à-dire vous résolvez les équations d'Einstein par perturbation, un terme cubique dans l'action veut dire un terme qui a toujours deux dérivés, mais qui est quadratique dans H, dans le membre de droite. Et donc, a priori, on se dit, il va falloir résoudre les équations d'Einstein en tenant compte de ces termes non linéaires. En fait, il y a une simplification remarquable des équations d'Einstein qui pendant longtemps n'a pas été utilisée dans la littérature, mais que avec Luc Blanchet, on a introduite explicitement en 1989 et qui est très utile pour résoudre les choses. Et qui va consister à résoudre les équations d'Einstein sous cette forme-là. En particulier, c'est important pour la composante 0,0, parce qu'on avait vu la dernière fois que la composante 0,0 à l'ordre linéarisé, elle donnait la place de G0,0 essentiellement. Donc la question est, à l'ordre au-delà, qu'est-ce que cette équation donne? Elle va donner des termes non linéaires. Mais en fait, si vous paramétrisez la métrique sous forme exponentielle, c'est-à-dire au lieu d'écrire que la métrique G0,0 vaut moins 1 plus un terme du premier ordre, H0,0, vous allez l'écrire sous la forme exponentielle d'un potentiel W. Bon. En fait, ce qu'on appelle l'approximation, la première approximation, ça c'est l'approximation newtonienne. La première approximation au-delà de l'approximation newtonienne s'appelle l'approximation 1PN, c'est-à-dire post-newtonienne d'ordre 1. Et ça consiste justement à, on va calculer ces termes-là, c'est-à-dire les termes qu'on a négligés ici, et ces termes-là. Et on va réobtenir celui-là. Et puis on va aussi corriger ça, cette équation-là va être corrigée, et cette équation-là va être corrigée. C'est-à-dire tout ce qu'on a obtenu à l'ordre le plus bas, maintenant on va l'obtenir au degré d'approximation suivant, c'est-à-dire en gardant des corrections d'ordre V2 sur C2. 1PN, ça veut dire garder tous les termes qui contiennent soit V2 sur C2, soit une dérivée seconde par rapport au temps sur C2, au-delà de l'approximation newtonienne la plus basse. Pour faire ça, donc comme je viens de le dire, il est très avantageux d'écrire la métrique sous forme exponentielle. En fait, cette exponentielle, on va l'utiliser seulement jusqu'à son deuxième ordre de développement. Donc, exponentielle de moins 2W, si vous faites le calcul, très facile, dans votre tête, vous trouvez que c'est 1 moins 2W sur C2, plus 2, parce que vous avez le carré de 2 qui donne 4, mais il faut diviser par factoriel 2, donc ça redonne 2, sur C4, W2, plus un terme d'ordre 1 sur C6. Alors, pour simplifier la notation, les termes d'ordre O de 1 sur Cn, donc O de 1 sur C2, on peut les noter simplement O2, parce qu'au bout d'un moment, ce n'est pas la peine d'écrire toujours 1 sur C à puissance n. Et O de 1 sur Cn, vous l'écrivez simplement On. C'est une notation simplifiée. Pour la composante mixte temps-espace, vous introduisez juste le potentiel qui apparaît. Il est commode pour certaines questions de mettre un facteur moins 4 là, parce que comme ça, il aura une équation plus simple. Et puis pour la partie GIJ, en fait, vous allez l'utiliser, vous allez introduire, vous trouvez que c'est le même potentiel qui intervient,
mais il intervient avec l'exponentiel plus, mais il n'a besoin d'être précis qu'à l'ordre au 4, donc ça ne serait pas très important d'avoir un autre potentiel. Vous faites ça, vous remplacez ça dans les équations d'Einstein et vous regardez ce qui sort. Et vous trouvez que dans le membre de droite, ce qui apparaît, ça n'est plus T0, 0 sur C2, mais à cause de ça, en fait, on le voit directement, à cause de T0, 0, moins 1/2 de T et G0, 0, vous trouvez que ce qui apparaît, c'est un terme qui est T0, 0 en haut plus TSS en haut, c'est-à-dire la trace sur les indices spatiaux divisé par C carré. Et quand vous utilisez l'approximation, enfin la paramétrisation exponentielle, il n'y a pas de termes non linéaires. A priori, ici, il y a des termes non linéaires parce que vous avez la métrique, puissance W, et choses comme ça. Mais à l'ordre où on travaille, il n'y a pas de termes non linéaires. C'est-à-dire, c'est simplement cette combinaison linéaire des composantes contravariantes du tenseur d'énergie-impulsion. Vous définissez aussi un terme source pour la partie magnétique, 0i, simplement en divisant par C. Et quand vous remplacez ça dans les équations d'Einstein, vous trouvez des équations linéaires maintenant. Même si vous êtes en train de résoudre les équations d'Einstein au niveau non linéaire, vous avez simplement utilisé des paramétrisations qui absorbent la non linéarité et maintenant le reste des équations devient linéaire. Et ces équations, je les ai écrites ici, elles sont assez simples, elles sont une sorte de généralisation des équations de Maxwell. Mais c'est une conséquence complète des équations d'Einstein. Pourquoi généralisation des équations de Maxwell ? Parce que vous avez un potentiel scalaire et un potentiel vecteur, et que c'est des équations qui contiennent des dérivées partielles du deuxième ordre, et puis vous avez aussi une invariance de jauge. En fait, vous trouvez facilement que ces équations-là sont invariantes si vous changez le potentiel scalaire par la dérivée temporelle d'une fonction arbitraire avec un signe moins et 1 sur C2, et si vous changez la dérivée spatiale WI, le potentiel magnétique, disons gravito-magnétique, par le quart du gradient d'une fonction scalaire, vous vérifiez que ces équations sont invariantes. Donc vous voyez ici, ça diffère des équations de Maxwell parce qu'il y a un coefficient 4, mais ce coefficient 4, c'est aussi en partie parce que je l'ai mis là. Si je travaillais avec 4 WI, j'aurais vraiment l'invariance de jauge habituelle de Maxwell. Cette invariance de jauge ici, elle vient simplement de l'invariance sous les difféomorphismes de départ, ça, et que j'ai réécrit d'une certaine façon, et elle est liée à l'invariance sous le changement de la variable temporelle en fait. La variable spatiale étant ici fixée avec un degré de précision par cette condition-là suffisant pour ne pas apparaître ici. Alors ces équations, elles ont l'air légèrement compliquées, mais elles sont linéaires, donc ça va être très facile de les résoudre. Et en particulier, elles se simplifient beaucoup si vous utilisez une jauge de type Lorentz, c'est-à-dire si vous avez le droit, à cause de cette invariance de jauge, vous pouvez d'abord garder cette invariance de jauge, comme ça vous êtes sûr d'avoir des objets invariants de jauge à tout moment, ou vous pouvez la fixer en disant, la fixer au moins partiellement, en disant je vais imposer une condition du type de Lorentz, c'est-à-dire que la dérivée temporelle de mon potentiel scalaire plus la divergence du potentiel vecteur est égale à 0. Vous avez le droit de faire ça. Et là, ici, la condition de Lorentz, il n'y a plus le facteur 4. Donc vous voyez que ce n'est pas la même chose que les équations de Maxwell. Et quand vous faites ça, alors là, ces équations vraiment deviennent triviales parce qu'elles deviennent d'Alembert de W, c'est-à-dire Laplace de W, moins 1 sur C carré, la dérivée seconde au carré. Donc vous voyez, ici, il n'y avait pas moins 1 sur C carré, mais si vous l'introduisez, ça fera un 4 ici. Et vous voyez que cette condition-là remplace ces deux termes-là par moins 1 sur C2, D2 sur DT2, W. Donc vous avez cette équation, opérateur de D'Alembert agissant sur W égale moins 4pi G, la source. Alors là, c'est vraiment comme les équations de Maxwell. Et l'autre équation, c'est Laplace de W. Vous pourriez aussi mettre D'Alembert, mais c'est négligeable, en fait, le terme en 1 sur C2 à cet ordre-là. Donc, dans cette jauge-là, les équations d'Einstein deviennent linéaires et se ramènent vraiment à quelque chose de Maxwell-like, comme on dit en franglais. Et donc, on peut les résoudre immédiatement aussi. Alors, on peut faire aussi d'autres choses, c'est-à-dire, cette formulation suggère qu'on peut introduire des champs gravito-électriques et gravito-magnétiques, ce que l'on peut faire, c'est-à-dire en fonction des quatre potentiels, W et WI, si vous introduisez ça, qui est comme chez Maxwell, le gradient du potentiel scalaire plus, le gradient plus la dérivée temporelle du potentiel vecteur, qui est bien cet invariant de jauge. Et si vous introduisez un champ magnétique,
C'est quelque chose d'antisymétrique dans les deux indices. Vous pouvez aussi introduire son dual. Ici, les indices sont spatiaux. Hein. Donc ça, ça veut dire la composante 1, 2 vaut la composante 3 de ça, sous la forme moins 4 fois du rotationnel de W. Donc, ces deux quantités-là sont invariantes de jauge. Et en fait, les équations d'Einstein vous donnent des équations linéaires qui sont vraiment cette fois du type Maxwell, c'est-à-dire des opérateurs du premier ordre agissant du type vraiment habituel comme le rotationnel du champ magnétique et la dérivée temporelle du champ électrique. Sauf que certains coefficients sont un peu changés. Ce n'est pas les équations de Maxwell parce qu'il y a le facteur 4 qui intervient de temps en temps. Bien. Mais comme ici on a pu ramener les équations d'Einstein à quelque chose de très simple, vous voyez que maintenant, à l'approximation non linéaire, la non linéarité finalement, elle a été tenue compte une fois pour toutes par ce W carré ici, ou par cet exponentiel. J'ai mis de la non linéarité dans la paramétrisation, et maintenant mes équations sont linéaires. Et puis comme les équations sont comme ça, je peux les résoudre directement. Alors quelles sont les solutions? Eh bien, comme j'ai des potentiels retardés, mais en fait, je suis ici dans une situation à la fois de champ faible et quasi stationnaire, et je n'ai pas besoin, enfin, je peux résoudre W a priori par un potentiel retardé. Potentiel retardé, ça veut dire j'ai devant, et puis j'ai l'intégrale sur l'espace de x moins x prime, et je mets simplement la source calculée au temps t, moins x prime avec un retard x moins x prime sur c, c'est au point spatial x prime. Voilà, ça serait ça le potentiel retardé. Mais en fait, il est facile de voir que la propagation ici à la vitesse de la lumière de ça, parce que potentiel retardé, ça veut dire qu'il y a des choses qui se protègent à la vitesse de la lumière. Mais si vous développez ça, le terme en premier ordre ici, il fait apparaître x moins x prime, vous voyez, en haut, mais ici, il y a x prime moins en bas, et donc les deux se simplifient, et ça veut dire que j'ai ici une contribution à W qui est une intégrale sur l'espace de sigma, et qui est donc une fonction du temps, puisque j'intègre surtout x prime. Et cette fonction du temps, je peux en fait la supprimer par une transformation de jauge qui est permise. Donc en fait, ça n'a pas de sens physique à cette approximation-là. Je vais introduire une notation qui est moins ou plus, qui veut dire que vous faites la demi-somme sur le signe moins et le signe plus, et vous développez en puissance de 1 sur c. C'est ce qu'on avait utilisé la dernière fois, la fonction de Green symétrique. C'est toujours une solution de ces équations-là. Et à l'approximation à laquelle j'ai le droit de travailler, qui est de garder des termes en 1 sur c2 au-delà de l'approximation la plus basse, donc je dois développer au deuxième ordre, et après ça, c'est négligeable ou c'est en des termes qu'on regardera après. Donc vous trouvez que cette formule, elle est équivalente à dire que vous avez D3X'. Donc ça donne cette fois une formule explicite qui est le potentiel newtonien, ou si vous voulez, la formule de Poisson, qui dit ce premier terme ici, c'est la valeur de la source sigma qui contient ça au point x' divisé par x moins x', et puis le terme du deuxième ordre. Alors le terme du deuxième ordre, par le développement de Taylor, il va y avoir un coefficient 1/2, puisque c'est une dérivée du deuxième ordre. Il va y avoir la dérivée seconde de la source sigma au point t et au point x'. Et comme maintenant je vais avoir le carré de ça, en prenant le développement divisé par ça, vous voyez qu'il reste x moins x' à la puissance 1 au-dessus. Voilà. En tout cas, ça, c'est une solution tout à fait explicite. Étant donné la source, je peux résoudre W à l'approximation que je veux. Et ça, c'est une solution de ces équations-là. Pour WI, alors, j'ai dit que signe plus moins voulait dire une moyenne, c'est-à-dire, c'est une notation condensée pour dire la demi-somme, etc. Et du coup, tous les termes se suppriment parce que c'est les termes pairs, comme tu le sais très bien. Et pour X, pour le potentiel vecteur, en fait, les choses sont encore plus simples parce qu'à l'approximation où je travaille, il suffit de garder le premier terme, c'est-à-dire le potentiel de Poisson de la source sigma i. Voilà, donc, ça y est, j'ai résolu les équations d'Einstein au premier ordre non linéaire. Alors, on peut vérifier facilement. D'abord, je vous engage pour vraiment voir. Parce que là, au lieu d'écrire toutes les équations d'Einstein en regardant les termes non linéaires, je vous dis, si vous faites ça, tout se simplifie. Je vous engage à faire le calcul explicitement pour le voir. On peut vérifier ce que ça donne dans le. Ici, et c'est pour n corps. Hein. Ici,
Ici, c'est pour une source quelconque, c'est-à-dire je suis en train de résoudre les équations d'Einstein, ici pour le moment dans une seule carte, et avec une distribution de matière T mu nu qui est contenue dans... qui est n'importe quoi, mais qui, par exemple, contenu dans plusieurs corps séparés ou pas. Donc je peux aussi faire le calcul particulier si j'ai un seul corps, c'est-à-dire ma distribution dans l'espace, c'est un certain corps isolé au repos, comme le Soleil. Donc ça veut dire que dans ma source, comme il ne bouge pas ce corps-là, il ne va pas y avoir de composante T0i, parce qu'on voit que les T0i, c'est lié à des choses magnétiques, c'est-à-dire à des vitesses à l'intérieur du corps. Et puis, en revanche, il va y avoir une source du type scalaire sigma. Et donc, finalement, les équations que j'ai à résoudre, c'est celle-là, mais la deuxième, je n'en ai pas besoin. Et donc, j'ai que la première. Et comme j'ai un seul corps, rien ne dépend du temps. Et donc, il suffit que je résolve l'équation pour un corps... Laplace de W égale moins 4pi, j'ai sigma, bien. Et si ce corps est à symétrie sphérique, bon, je peux appliquer cette formule, mais le deuxième terme est nul, c'est le potentiel de Poisson, newtonien. Si le corps est à symétrie sphérique, je sais comment résoudre ça explicitement en fonction de sigma, et je sais qu'en dehors de ce corps-là, ce W sera donc égal à gm sur... la distance x entre le point où je suis dans le champ ici et le centre du corps à symétrie sphérique, où la masse m ici serait l'intégrale des 3x' de sigma. Donc vous voyez, déjà je trouve que la masse extérieure au corps, enfin on va voir que c'est la masse, elle contient des corrections qui n'est pas seulement... que je dois intégrer sur la densité d'énergie T0,0, mais que les pressions qui sont là, à l'intérieur du Soleil, contribuent à sa masse. Et le fait qu'il ait fallu écrire les indices 0, 0 en haut, veut dire que j'ai tenu compte, en fait, des effets d'autogravitation du Soleil, parce que si j'avais écrit les choses avec les indices sous une autre forme, la métrique elle-même serait intervenue dans cette formule, et donc ça veut dire que j'aurais tenu compte des effets d'autogravitation. Mais, alors, comment se fait-il, à cette approximation-là, la métrique ne contient que... E puissance moins 2W sur C2, C2 dT2, et E puissance 2W sur C2, DX2, puisque j'ai delta IJ. Quel est le lien entre ça et la solution de Schwarzschild? Et si je développe, c'est moins 1, moins 2 sur C2, donc avec ce W-là, c'est-à-dire GM sur R, plus 2 sur C4 W carré, donc ici j'ai 2M sur R, ici j'ai 2 m sur r au carré, ok, c2 dt2, plus 1 plus 2 w sur c2 dx2. Bien. Parce que je vous avais donné la métrique de Schwarzschild dans les coordonnées de Schwarzschild-Drost. Je vous rappelle, métrique de Schwarzschild à un corps exact, c'était 1 moins, je vais introduire la notation, petit m était le paramètre qui apparaissait dans la métrique de Schwarzschild. C2 dt2 plus dr2 sur 1 moins 2m sur r plus r2, les angles, d oméga 2, dθ2 plus sinus carré θ dφ2. Si vous changez le paramètre radial r qui apparaît dans le système de coordonnées par un autre paramètre radial r bar défini de la façon suivante, bien, vous trouvez que la solution de Schwarzschild s'écrit moins 1 moins m sur 2 r bar sur 1 plus m sur 2 r bar à la puissance 4, non, c'est 2 toujours, dt2, plus 1 plus m sur 2 r bar à la puissance 4 fois dr bar carré plus r bar, je vais l'écrire, dr bar carré plus r bar carré dθ2 plus r bar carré sinus carré θ dφ2, et si vous passez à des coordonnées cartésiennes, ça veut dire que, associé, ça veut dire que c'est dx bar plus dy bar carré plus dz bar carré, autrement dit, c'est bien le dx2. Et si vous développez ces formules-là en puissance de m, vous trouvez qu'elles sont bien identiques à celles-là au deuxième ordre, avec simplement que m ici est égal à gm sur c2, où le m est celui-là. Donc tout ça pour dire que
tout marche, bon, c'est-à-dire on peut trouver au deuxième ordre la solution de Schwarzschild juste en résolvant un problème linéaire. C'est-à-dire finalement l'équation de Poisson avec cette transformation non linéaire aussi donne la solution de Schwarzschild au deuxième ordre. Mais le point important que je veux développer maintenant, c'est d'utiliser cette représentation linéaire de la solution des équations d'Einstein à l'ordre suivant pour attaquer le problème de la mécanique céleste relativiste ou plus généralement du problème du mouvement et de la description de n corps. Et pour faire ça, on va utiliser l'approche multicarte pour les raisons que j'ai indiquées. Alors quand vous faites ça, en fait c'est très simple puisque je viens de démontrer que les équations d'Einstein se ramènent à un problème linéaire. Mais tout le raisonnement que j'ai fait ici n'a jamais présupposé que j'étais dans la carte X mu globale. J'étais dans n'importe quelle carte. J'étais en fait dans n'importe quelle carte où GIJ s'écrit approximativement comme ça, ce qui est un certain choix mais assez mou des coordonnées spatiales, et où je suis voisin du poste newtonien, c'est-à-dire je peux développer quelque chose qui est petit. Donc, tout ça est vrai dans chaque carte locale. Donc, je vais pouvoir appliquer cette formulation linéaire de la solution des équations d'Einstein dans chaque carte, et puis aussi dans la carte globale. Et donc, déjà, je peux écrire mes équations là, mes solutions. Dans chaque carte. Et donc maintenant, je vais faire un petit dessin. Donc ça, vous vous en souvenez, vous l'avez noté. En tout cas, le point important, c'est que je peux, on ne va pas l'utiliser explicitement, c'est que j'ai une formule explicite pour écrire la solution dans chaque carte en fonction de la source. Donc maintenant, je vais considérer que j'ai un corps, ici, qui est représenté dans sa carte locale, dans l'espace-temps. Hein. Donc j'ai une carte grand X, le corps numéro A, à une carte grand X alpha grand A. Et dans cette carte-là, la métrique, alors il est commode pour ne pas se perdre et pas avoir des indices absolument partout. Pour les cartes locales, d'utiliser des grandes lettres. J'ai utilisé déjà un grand X plutôt qu'un petit X. Et pour la métrique, vous écrivez aussi G alpha beta avec des indices du début de l'alphabet comme fonction de grand X. Donc ça veut dire, par exemple, vous avez G0, 0 dans la carte associée au corps grand A. Alors ici aussi, je vais étiqueter les corps par le grand A allant de 1 à n, et non pas, la dernière fois j'avais utilisé petit a ou petit b, il est commode ici de reprendre la notation, bon, donc peu importe, grand A au lieu de petit a, c'est juste une étiquette. Hein. Donc G00 par exemple vaut moins e puissance moins 2 w grand A des coordonnées grand X. Coordonnées grand X, c'est-à-dire qu'il y a le temps local et puis l'espace. C'est à cause de ça, vous voyez, pour les coordonnées spatiales, je ne veux pas utiliser IJ parce que je veux garder la deuxième partie de l'alphabet latin aussi pour les coordonnées globales, et donc j'utilise la première partie de l'alphabet latin pour les coordonnées spatiales locales dans ma carte. Ou le grand W satisfait ces équations-là, exactement les mêmes. Il y a le W scalaire et le W, donc dans le cas-là, je vais avoir un W scalaire et un W du type vectoriel avec un indice spatial dans mes coordonnées grand X, et j'ai les mêmes équations. Bien. Et donc, en dehors de ça, j'ai aussi dans ma carte globale petit x, mu, j'ai les formules, mais cette fois, G00, par exemple, c'est écrit moins e puissance moins 2 petit w, pardon, il faut que je mette 1 sur c2, qui est fonction des petits x, où le petit w satisfait les mêmes équations que là. D'accord. Et puis, il faut que je relie mes deux cartes. Donc à un certain moment, il faut que je dise comment ma carte locale, c'est la transformation entre cartes, comment elle est plongée dans l'autre carte. Et c'est là où les choses sont en fait très simples. Si vous écrivez petit x mu en fonction des grands x, et non pas l'inverse, parce que ça fait une différence technique, et vous pouvez écrire en fait une forme générale qui est du type suivant.
Vous trouvez d'abord qu'il n'y a pas besoin d'inclure des termes non linéaires au-delà du quadratique. Et en plus, quand vous faites le... Alors, ce que je suis en train de dire, c'est des développements qui ont... C'est une approche multicarte au problème à n-core qui a été développée par Sofel, Xu et moi-même. Il y a les références dans les notes, dans les années 90. Cette expression-là, les termes quadratiques sont en fait importants, je ne vais pas les écrire ici pour simplifier, mais ça c'est une transformation simplement affine, et si vous l'interprétiez de façon habituelle, ça consisterait à dire que quand les... ça c'est les x spatiaux, quand les xa sont égales à 0, l'image de ce point qui est xa égale à 0 devient x mu égale z mu de x0, c'est-à-dire dans ma carte globale, ça consiste à me donner une certaine ligne d'univers, qui est la ligne où x mu est égal à z mu d'un certain paramètre du temps, du genre temps, ok, x0. Et ça veut dire que, autrement dit, cette ligne d'univers est l'image du point dans ma carte locale qui correspond au xa égal à 0. C'est-à-dire, dans mon repère géocentrique, j'utilise un certain système de coordonnées grand X, et puis les coordonnées spatiales x égale à 0, ça désigne un point au centre de la Terre. Ce point-là a une image dans la carte globale qui est cette ligne qui est courbe cette fois, alors que dans l'autre cas, c'est une ligne droite. Donc, dans ma carte locale grand X, j'ai la ligne droite qui est mon centre xa égale à 0, et puis ça s'envoie sur cette ligne d'univers. Ça, c'est comme si on avait un changement aussi de repère, c'est-à-dire, c'est dans la carte ici, c'est comme si j'avais introduit un repère spatial, etc. Mais peu importe, je n'ai pas besoin d'utiliser le mot ici, changement de repère, c'est un changement de carte. Bien. Donc, comment maintenant j'avance? Parce que tout est linéaire, mais en même temps, je ne veux pas résoudre deux fois les équations d'Einstein, puisque les équations d'Einstein, ici, je les ai déjà résolues en fonction de la source. Mais comme j'ai dit, le problème, c'est que la source, quand je suis dans la carte globale, elle est mal représentée, parce que c'est la source, par exemple, de la Terre qui est en mouvement, alors que je veux résoudre les équations d'Einstein en tenant compte de comment la distribution de matière dans la Terre a l'air dans la Terre, dans un repère géocentrique. Et donc, je veux résoudre, paramétriser le champ gravitationnel de la Terre tel qu'on le paramétrise dans la vraie physique et utiliser ça, le mapper, pardon, dans la carte globale. Alors, comment vous faites ça? D'abord, comment est-ce qu'on décrit le champ gravitationnel de la Terre, vraiment, dans le système géocentrique? Eh bien, on le décrit par le développement multipolaire de la Terre, du champ gravitationnel à la Terre. Vous savez que dans la physique newtonienne, vous avez la Terre, qui n'est pas parfaitement ronde, et puis vous avez son champ gravitationnel autour d'elle, qui en général est newtonien, et qui s'écrit comme un terme en GM sur R, et puis une série infinie de termes qui représentent le quadrupôle de la Terre, l'octupôle, etc. Et le but est d'utiliser ça, mais dans un contexte relativiste. Comment est-ce qu'on fait ça dans un contexte relativiste? Eh bien, c'est très simple, on regarde les équations que satisfont l'analogue du potentiel gravitationnel newtonien, qui est ce W-là, qui est le potentiel relativiste de la Terre, et puis je dois tenir compte aussi de sa partie magnétique. Si je regarde le potentiel W, je peux... alors, il satisfait ce potentiel, par exemple, il satisfait des équations linéaires. Et donc, je vais pouvoir écrire ce potentiel W, qui a à la fois une composante temporelle, la composante 0 veut dire juste la composante W, hein, et une composante spatiale. Ça satisfait des équations linéaires. Et donc, sa solution est la somme de deux solutions, une solution inhomogène, particulière, comme c'est un problème inhomogène, j'ai des sources à droite. Donc si je trouve une solution inhomogène dans la carte où je suis, que je vais appeler W alpha plus, la solution générale sera la somme d'une solution inhomogène particulière plus une solution homogène particulière. J'appelle la solution homogène W moins ou W bar, pour simplifier. Comme ça. Donc ça, c'est la solution homogène générale. Et ça, c'est la solution inhomogène, c'est-à-dire engendrée, mais engendrée par
le sigma que je vois dans ma carte, parce que c'est une carte locale. Donc la seule source que je vois dans un système géocentrique, c'est la densité de la Terre. Je ne vois pas la densité du Soleil et les autres. Donc je résous avec ce que je vois. Et en fait, je vais remplacer ça par un développement multipolaire. Et j'ajoute la solution qui vient de quoi? Qui vient en fait des autres corps dans le système solaire. Mais à ce stade-là, je ne les ai pas encore vus, les autres corps. Il faut que je raccorde, en fait, que je raccorde tous mes systèmes de coordonnées les uns aux autres pour avoir la solution globale. Mais chaque fois, j'aurai une information sur un système géocentrique pour la Terre, un système vénérocentrique pour Vénus, pas très joli, etc., pour chaque planète du système solaire, et héliocentrique pour le Soleil. Donc, pratiquement parlant, comment est-ce qu'on fait? Donc, pour ça, et aussi, en fait, quand vous résolvez ça, vous ne voulez pas résoudre les équations de Poisson, parce que finalement, vous en foutez, la formule ici qui vous dit que W est une intégrale de sigma. Vous ne savez même pas la densité qu'il y a au centre de la Terre. Au centre de la Terre, il semble qu'il y ait une graine de fer très dense, mais vous ne le savez même pas. Ce n'est pas comme ça que vous représentez le champ gravitationnel de la Terre. Le champ gravitationnel de la Terre est représenté de l'extérieur par ces moments multipolaires, parce que vous avez des satellites qui sont autour, et vous mesurez les moments multipolaires, vous ne mesurez pas. Donc en fait, vous ne voulez même pas utiliser, vous utilisez que le fait qu'il y a des équations linéaires, et vous ne résolvez... Enfin, il est aussi utile d'avoir l'expression fonction de la source. Donc quelle est la solution générale de quelque chose d'engendré par le corps dans le système, donc grand X lié à ce corps-là, mais en dehors du corps. Eh bien, ça va être une solution homogène de ces équations-là, puisque je suis en dehors du corps, mais qui tend vers zéro à l'infini. Parce que dire que vous résolvez, une autre façon de dire que c'est engendré par ça, ça veut dire que vous avez mis des conditions aux limites et que ça tend en un certain sens vers zéro à l'infini. Et ça, vous pouvez le résoudre de façon facile, en fait. Vous trouvez que cette partie-là peut s'écrire, en particulier, ça peut se faire si vous vous mettez dans cette jauge. En fait, tout le formalisme peut se faire en ne fixant pas la jauge, et parfois c'est plus commode. Si je fixe la jauge comme ça, je dois trouver la solution homogène de cette équation-là, de D'Alembert W égale à 0, mais quelque chose qui est engendré par un corps au centre. Eh bien, cette solution-là, vous pouvez l'écrire immédiatement. Elle s'écrit comme ça. C'est une somme sur un degré multipolaire L de quelque chose que je vais écrire sous forme condensée comme ça. Et je vais expliquer la notation. Et c'est tout. Grand L est une notation condensée pour un multi-indice. C'est-à-dire, ça veut dire L indice mis ensemble. Okay? Mais au lieu de dire chaque fois L indice, quand il y en a L, vous le dites c'est grand L. Si vous aviez N indices, 1, A2, AN, vous diriez... c'est grand N. Bon. DL veut dire aussi une dérivée répétée, c'est-à-dire veut dire DA1, DA2, DAL, puisque j'en ai L. Donc vous voyez qu'ici j'ai une somme, donc cette somme, si je l'écris explicitement, le premier terme veut dire j'ai un objet qui n'a pas d'indice, sauf le fait qu'il est associé au corps A. Mais enfin, vous pouvez l'oublier, ça c'est l'indice du corps que je regarde. Okay? Et divisé par R. Puis le premier terme, il y a un signe moins, et puis j'ai une seule dérivée de MA sur R, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un monopôle, c'est un terme en M sur R, dans un truc newtonien, c'est le monopôle. Ça, c'est un terme en gradient d'un vecteur divisé par R, c'est un dipôle, et puis après, vous avez un quadrupôle, octupôle, etc. Donc ça, c'est un développement multipolaire, mais de multipôles qui sont centrés dans la Terre. C'est exactement ce qu'on appelle les multipôles de la Terre. Mais ici, j'ai mis de nouveau T plus ou moins R sur C. Parce qu'effectivement, je dois résoudre l'équation D'Alembert égale à 0, pas l'équation Laplace égale à 0. Donc la solution générale engendrée par un objet, c'est une fonction de T moins R sur R, c'est une fonction de Green élémentaire. Et puis si, comme ça, c'est une fonction D'Alembert égale à 0, si je prends des dérivées spatiales, ça sera toujours une solution D'Alembert égale à 0. Donc en fait, c'est facile de voir que ça, c'est la solution générale. Et puis... plus ou moins veut dire, comme tout à l'heure, que je prends la moyenne entre le plus et le moins, mais c'est juste une façon rapide d'écrire la solution. Et donc ça, c'est une solution qui contient effectivement la description de la Terre. Donc ici, j'ai représenté, donc j'ai remplacé le potentiel newtonien U par le potentiel scalaire W, mais j'ai aussi le potentiel vecteur WA.
Et lui aussi a un développement multipolaire, que je ne vais pas écrire. Et ce développement multipolaire, il contient des multipôles à lui, qui sont différents de ces multipôles-là. Il contient des nouveaux multipôles. Il contient aussi les dérivés temporels, d'ailleurs, de celui-là, en général. Enfin, ça dépend de la jauge. Et ces multipôles, je vais les appeler S grand L. S grand L, où L est plus grand ou égal à 1, ça veut dire une suite infinie de multipôles, dont le premier est S avec un seul indice, puis après S avec deux indices, etc. Le premier multipôle, c'est le spin total de la Terre, c'est-à-dire le moment cinétique de la Terre, dans le référentiel où je suis. Et ça, c'est l'analogue du quadrupôle, mais c'est le quadrupôle lié au fait que la Terre bouge. Okay ? Et puis ça, c'est l'analogue de l'octupôle, mais lié au fait que vous avez des courants de matière dans la Terre. Donc, les multipôles comme ça s'appellent les multipôles du type masse, okay ? Et puis là, vous avez des multipôles du type courant ou du type spin. Donc, vous avez pu écrire comme ça la moitié de la solution. Donc ça, autrement dit, j'ai paramétrisé cette partie de la solution en termes de multipôles, qui est des choses qu'on observe. Par exemple, le G tout de la Terre, G2 de la Terre, c'est-à-dire le moment quadrupolaire, est très bien mesuré. Et on l'observe avec haute précision grâce aux satellites autour de la Terre. Mais maintenant, j'ai ce terme-là homogène. Comment est-ce que je vais le représenter ? Eh bien, vous pouvez aussi le représenter sous forme de développement multipolaire, mais c'est des développements multipolaires différents. Je vais expliquer ça sur un exemple simple, si vous voulez. Je vais le faire dans le cas newtonien, pour que vous compreniez. Et puis, la même, comme tout est linéaire et il n'y a pratiquement pas de complications, vous pouvez, après, ça se fait dans le cas einsteinien sans problème. Si j'ai un corps, si je veux résoudre l'équation de Laplace pour le potentiel gravitationnel d'un corps qui est là, dans une carte locale, mais sachant que j'ai des corps autour. Donc, la solution générale newtonienne sera, dans ce cas-là, la somme d'une solution qui est engendrée par ce corps-là, plus une solution qui vient de l'extérieur. Mais si j'essaye de le résoudre en développement multipolaire, c'est-à-dire je représente ça par des représentations irréductibles du groupe des rotations pour mon scalaire, donc des choses qui, quand je fais une rotation, tournent d'une certaine façon, comme les YLM, disons. C'est-à-dire, je ne vais pas rentrer dans le détail de la technologie, je vais juste écrire la solution. Je sais que la solution engendrée par le terme au centre, je vais pouvoir l'écrire sous une masse divisée par R, moins le gradient de quelque chose qui est un vecteur R, plus le double gradient de MIJ sur R, etc. Ça, c'est le développement multipolaire des multipôles là. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Comment je vais écrire une solution des équations de Laplace égale à zéro qui vient de choses lointaines? Ben, c'est ce qu'on appelle le développement en multipôle de marée. Parce que tous les termes des champs gravitationnels qui viennent de loin, qui sont réguliers à l'origine, mais qui sont engendrés, mais qui localement sont là, sont des termes d'un autre type. Et cet autre type, c'est par exemple une constante, et toujours possible, plus quelque chose qui a un seul indice, mais qui est linéaire dans xi, ça c'est une solution de Laplace égale à 0. Et puis après, je peux mettre 1 demi de gij, xi, xj, etc. Tout ça, ça va être solution des équations de Laplace égale à 0. Et quand vous résolvez les équations, si vous développez, parce que ça vous devez tous le faire dans les cours d'électromagnétisme, si vous résolvez Laplace égale à 0 en développement en harmonique sphérique, vous avez une certaine équation et vous trouvez qu'il y a deux types de solutions, celle en R puissance L et puis celle en 1 sur R L plus 1. Voilà. Celle en 1 sur R L plus 1, elle correspond à ça, au degré L, et celle en R puissance L correspond à ça. Pour que ça soit des solutions, il faut que tous ces objets-là soient des représentations irréductibles du groupe des rotations, c'est-à-dire des tenseurs symétriques et sans trace. Autrement dit, chacun des tenseurs qui apparaît, à la fois les ML et les GL, c'est-à-dire M avec L indice ou G avec L indice, c'est des tenseurs symétriques par rapport à tous leurs indices, et quand vous prenez une trace sur deux indices, vous trouvez zéro.
C'est ça qu'on appelle le développement de marée, et vous vérifiez facilement que, par exemple, les forces de marée dues à la Lune donnent effectivement un potentiel terrestre au voisinage de la Terre qui est quadratique dans les coordonnées. Et puis la marée d'ordre supérieur, elle est cubique, etc. Voilà, ça c'est dans le cas newtonien, c'est très facile de représenter, d'introduire ces objets-là. Eh bien, vous trouvez qu'il y a la même chose qui est vraie là. C'est-à-dire que... ici, j'ai parlé du potentiel relativiste engendré par l'objet que je regarde. Le potentiel, qui a un indice scalaire et un indice vecteur, lui aussi, il va avoir des tenseurs de marée, c'est-à-dire il va avoir des moments multipolaires qui viennent du champ gravitationnel extérieur. Et de même que ici, j'avais deux types. Dans le cas newtonien, j'ai un seul type de moment multipolaire, le moment multipolaire de masse, puisque je ne vois pas le spin. Okay? Dans le cas einsteinien, comme j'ai le gravitomagnétisme, j'avais deux types de moments multipolaires, ceux de masse, ML, à L indice, et ceux de spin. Et dans le cas des moments multipolaires de marée, de même, j'en ai deux. Il y en a qu'on a appelé ceux du type gravitationnel, GL, c'est-à-dire ceux qui apparaîtraient déjà dans le cadre newtonien comme ça, et ceux qu'on a appelés H, pour dire magnétique, comme le champ magnétique H, qui sont aussi un développement de forces de marée dues au champ gravito-magnétique dû aux autres corps, vu localement comme des fonctions C infini développables en puissance de X et représentées comme représentation irréductible du groupe de rotation locale de mes coordonnées grand X. Voilà. Donc j'ai, grâce à ça, dans chaque... ici, au voisinage de chaque corps, j'ai donc pu représenter, à l'approximation que je voulais, le champ gravitationnel en forme, comme fonction d'un certain nombre de ce qu'on appelle des squelettes multipolaires. C'est-à-dire, je ne vois plus le corps comme objet étendu, mou. Il est représenté de l'extérieur par ces moments multipolaires. Et puis, les autres corps, dans ma carte locale, sont aussi représentés par des moments multipolaires. Mais tous ces moments multipolaires, les autres de marée, ils doivent venir de quoi? Ils sont engendrés par les autres corps. Donc en fait, il faut maintenant que je trouve la formule qui donne quels sont les moments multipolaires de marée ici dus aux autres corps. Comme je vous disais, à l'approximation la plus basse, pour le cas de la Terre, le terme le plus... un des termes importants dans ce terme ici de marée, c'est la Lune. Donc ça veut dire que ce terme GIJ, il est lié à la position de la Lune dans le ciel, etc. Et je peux le calculer chez Newton en fonction de la position de la Lune. On doit faire la même chose dans le cas einsteinien. Tout ça se fait de façon très simple parce que je n'ai que des équations linéaires et à un certain moment je dois écrire que j'utilise la transformation de coordonnées. Donc à un moment j'utilise le fait, alors sous quelle forme déjà, comme ça, non, que G alpha beta de grand X gamma est égal à dx mu sur dx phi. La truc essentiel que me dit Einstein, j'ai résolu les équations d'Einstein dans chaque référentiel, mais maintenant, je dois écrire que chaque solution locale est égale, enfin, dans un domaine d'overlap des cartes, se raccorde à la métrique extérieure, mais avec la transformation de coordonnées, qui est ce type-là. Et donc, je dois remplacer la formule explicite ici, là-dedans, et en déduire une transformation des W. Donc là, j'ai du non-linéaire, parce que vous voyez cette expression-là. Ici, j'ai exponentielle de W, ici, j'ai des produits quadratiques, j'ai des transformations. Et en fait, tout ça, miraculeusement encore, ça devient linéaire. C'est-à-dire, quand vous faites ça, vous trouvez que le W local est une fonction linéaire du W global, etc. C'est-à-dire, tout devient linéaire. C'est pour ça, finalement, les équations d'Einstein ont une linéarité cachée que vous voyez ici, à cette approximation-là. Et quand vous faites ça, vous pouvez... Oui. J'ai pas compris, parce que là, vous avez parlé des effets des marées dus à la Lune. J'ai pas compris où est-ce qu'on met l'effet principal qui est le champ gravitationnel du Soleil dans cette... Ah oui, non, mais le Soleil est juste un des corps. J'ai oublié de le citer parce que j'étais dans le cadre général. Le Soleil ici, j'ai jamais supposé que le Soleil était plus gros que les autres. Hein. Je suis en train de résoudre le problème à N corps. J'ai une étiquette grand A. Bien sûr, j'ai le Soleil. C'est même le terme... à la fin, vous allez retrouver que le Soleil est le plus prépondérant, bien sûr. Mais ici, vous voulez tenir compte des effets des planètes pour bien montrer, et de l'autogravitation,
pour aller au-delà. Avant, j'avais décrit l'approche traditionnelle qui consiste à dire vous utilisez la solution de Schwarzschild, c'est-à-dire vous représentez le système solaire par le Soleil, et puis toutes les planètes sont des particules d'épreuve. Ici, c'est pour dire il faut aller au-delà parce qu'il y a des interactions entre les planètes, à la fois dues à leur masse, à leur moment multipolaire, et bien sûr le Soleil aussi, et je veux avoir un formalisme où tout ça est pris en compte par le formalisme. Et puis, je veux aussi que le formalisme s'applique, par exemple, à un pulsar binaire, c'est-à-dire quand j'ai que deux corps, qui sont deux étoiles à neutrons ou deux trous noirs. Mais c'est un formalisme général. Dans le cas du système solaire, beaucoup des termes dont je parle sont effectivement beaucoup plus petits que par rapport à la masse du Soleil, qui est prise en compte. Mais maintenant, conceptuellement, je voulais arriver à l'idée comment quand tout ça peut se faire. Bien, et on l'a fait explicitement, et en fait, est assez simple. Mais où est-ce qu'on en déduit maintenant les équations du mouvement? C'est-à-dire à quel moment vous avez une équation qui vous dit comment les planètes bougent? Bien, cette équation-là, elle doit venir d'une équation sur cette ligne d'univers. Parce que pour le moment, j'ai introduit une ligne d'univers Z mu, qui est l'image de la ligne centrale dans mon système, disons, géocentrique, le centre de la Terre. Et puis, ça se représente dans R4 global, par ça, mais quand est-ce que j'ai une équation qui me dit que l'accélération de cette ligne d'univers ou que cet univers est géodésique en un certain sens? Et pour le faire dans ce schéma-là, il est en fait commode de suivre la méthode que D'Alembert préconisait pour résoudre le problème du mouvement. Parce que, quelle est la méthode de D'Alembert et qu'il a utilisée systématiquement? La méthode de D'Alembert, elle a l'air un peu triviale, mais en fait là, elle est utile. Elle consiste à dire que le problème du mouvement est un problème d'équilibre. C'est un problème de repos. Effectivement, D'Alembert disait, en mécanique newtonienne, quand vous avez un corps soumis à des forces gravitationnelles d'autres corps, vous vous placez dans un référentiel attaché à ce corps, et donc qui est accéléré, a priori, et vous allez écrire que dans ce corps-là, il y a équilibre entre toutes les forces qui existent, mais en rajoutant les forces d'inertie. Puisque, vous savez, par mécanique newtonienne, quand vous allez dans un référentiel accéléré, il faut rajouter des forces d'inertie, c'est-à-dire sur chaque particule, vous avez une force moins m fois l'accélération, force d'inertie, et donc il écrivait le problème du mouvement, non pas en disant j'ai des forces qui agissent sur ce corps-là et ça donne une accélération, mais je vais dans un référentiel local et là-dedans, toutes les forces doivent s'équilibrer. Eh bien en fait, c'est ce que l'on fait dans ce schéma-là, parce qu'on démontre le théorème suivant. Alors dans ce schéma-là, il faut d'abord définir le centre de masse de la Terre. Parce que comment je vais définir le centre de masse de la Terre, sachant que si vous le définissiez comme une certaine moyenne de sigma, etc., en disant je prends l'intégrale de rho xi égale à 0, ça ne servira à rien parce que vous ne savez pas ce que c'est que la densité au centre de la Terre. Donc en fait, la bonne définition opératorielle du référentiel géocentrique, du référentiel centré sur le centre de masse de la Terre, ça consiste à dire qu'un certain moment multipolaire est nul, en fait. Et... en fait, le moment, le dipôle de la Terre, c'est ce que j'ai écrit ici. Quand j'écris ici, ça c'était le cas newtonien, mais vous avez la même chose dans le cas relativiste qui est écrit là. Voilà, ça c'est le cas relativiste. Vous avez dans cette somme sur tous les L de 0 à l'infini, il y a le terme de degré 1 qui correspond à une solution de ce type-là. Et si vous ouvrez un livre habituel de physique newtonienne, vous réalisez que au sens habituel, Emi, c'est ce qu'on appelle le dipôle, c'est-à-dire dans la mécanique newtonienne, c'est l'intégrale sur l'espace de la densité fois xi. Xi moins l'origine du système de coordonnées. Donc ici, c'est un grand x. Hein, et donc, vous pouvez définir le centre de masse comme étant celui où ce dipôle est nul. Et ça, vous pouvez le faire dans le cadre relativiste. Donc vous définissez, dans le cadre relativiste, référentiel du centre de masse de chaque corps par la condition que le dipôle est égal à zéro. Et ça veut dire que vous avez attaché votre carte locale à l'objet qui est là. Et maintenant, vous allez obtenir l'équation du mouvement de ce corps en prenant une conséquence des équations locales de conservation de la matière. Alors vous savez que dans tout système de coordonnées, les équations d'Einstein impliquent que la divergence covariante du tenseur d'énergie-impulsion est nulle. Et en prenant cette condition-là et en utilisant les formules qui expriment les moments multipolaires en fonction de T, par les formules qui sont là,
Vous pouvez en déduire un résultat, qui est comme un théorème, qui généralise le théorème de D'Alembert, qui est le suivant. Vous trouvez que, même si vous n'avez pas imposé que le dipôle est égal à zéro, la dérivée seconde du dipôle par rapport à votre coordonnée locale grand T, hein, grand T veut dire x0, c'est la coordonnée temporelle locale. Petit t veut dire le temps global, hein, c'est pour ça que vous utilisez des grandes lettres et des petites lettres pour toujours savoir de quoi vous parlez. Et que ça, c'est égal à somme sur les L égale à 0 de 1 sur factoriel L de M grand L G A grand L A A plus un certain terme que j'écris pas, mais qui est une certaine forme bilinéaire entre... Ça, c'est une correction en 1 sur C2 qui est, il est essentiel d'obtenir. Ce terme-là, comme ce terme-là, vous avez ici quelque chose qui est bilinéaire entre les moments multipolaires du type masse, enfin du type engendré par le corps dont vous parlez, les M ou les S, et puis les moments multipolaires de marée. Bien. Qu'est-ce que ça veut dire ce terme-là? Eh bien, appliquons ça au cas où je fixe le centre de masse de chaque corps par cette condition-là. Alors du coup, ce terme-là est nul. Dans cette somme ici, je vais avoir un premier terme qui est MGA. Je fais la somme sur 0. Puis le terme suivant, qui aurait un indice ici, il est nul à cause de cette condition-là. Et le prochain terme qui existe, c'est 1 demi de MBC, GABC, plus etc., égal à 0. Si vous regardez en termes newtoniens, ce terme-là, c'est le couplage entre le quadrupôle de l'objet dont je parle, par exemple le quadrupôle de la Terre, et le champ de marée du troisième ordre, le troisième gradient de marée du champ du potentiel gravitationnel. Mais ça, c'est justement la force qui agit sur le quadrupôle de la Terre. Par exemple, le fait que la Terre soit pas ronde, mais soit déformée, introduit une force qui est justement proportionnelle à ce type-là. Okay. Donc ici, on a obtenu toutes les forces dues aux marées. Maintenant, considérons le cas pour simplifier, même si le but de ce travail était de montrer que dans un cadre relativiste, vous pouvez avoir tous les moments multipolaires. Si vous considérez un corps, un système de n corps tel que, au voisinage de chaque corps, vous pouvez négliger ces moments quadrupolaires, c'est-à-dire des corps, disons, sphériques ou quasi-sphériques, dans le champ gravitationnel au voisinage de chaque corps, essentiellement, la métrique ressemble à Schwarzschild, c'est-à-dire j'ai que m sur r. Dans ce cas-là, tous ces termes-là sont nuls, et cette équation-là me dit que le dipôle de marée, c'est-à-dire grand G, c'était un terme de marée, est égal à nul. Mais quand vous écrivez cette équation, vous trouvez deux choses. D'abord, si vous faites le calcul explicitement, donc vous en déduisez que l'équation du mouvement d'un corps qui n'a pas de moment multipolaire, c'est simplement que ce terme-là est égal à zéro. Et si maintenant vous calculez ce terme-là, vous trouvez que ce terme-là est l'équation d'une géodésique dans la métrique que je vais écrire, g bar 0, 0 égale moins exponentielle moins 2 w bar sur c2. Donc ça, c'est un théorème que vous le calculez directement. Et moins 4 w bar a sur c3. Un calcul montre que ce terme-là, c'est l'équation géodésique avec les gammas de Christoffel, mais dans une métrique g bar qui est obtenue en utilisant la même formule qu'ici, dans le référentiel local, mais dans lequel vous ne mettez pas W total, vous mettez que les W bar. Et je vous rappelle que W était décomposé dans les termes comme M sur R qui sont engendrés par le corps local que je vois, et puis les termes qui viennent de l'extérieur. Autrement dit, cette formule-là, elle montre que c'est un théorème qui montre que les effets d'autogravitation sur le corps s'annulent, c'est-à-dire que la force gravitationnelle, au sens relativiste du corps, de la masse lui-même du corps agissant sur elle-même, donc le genre de diagramme comme ça, donne zéro. Donc ici, vous prouvez que les effets d'autogravitation s'annulent et que chaque corps, même s'il est autogravitant, même s'il est assez lourd, suit une géodésique d'un espace-temps extérieur
Mais cet espace-temps extérieur n'est pas le vrai espace-temps extérieur parce qu'il faut que j'enlève dans W la contribution du corps lui-même. C'est-à-dire c'est vraiment ce qui est engendré par les autres et que je ne garde que le W bar. Et ça donc, à l'intérieur de ce schéma, c'est la preuve que l'on voulait obtenir que en allant au-delà de l'approximation d'une particule d'épreuve, on sait depuis toujours, Einstein l'a supposé, et c'est vrai, si vous avez une particule d'épreuve, elle suit une géodésique du champ extérieur. Ici, on a des corps, chacun des corps n'est pas une particule d'épreuve, il est peut-être, il est autogravitant, mais vous trouvez que le centre de masse défini comme ça par dipôle égal à zéro suit une géodésique, mais une géodésique d'un certain espace-temps extérieur que vous construisez dans le formalisme et qui est vraiment obtenu en négligeant simplement les effets d'auto-action du moment multipolaire du corps sur lui-même et en ne gardant que les effets de la masse et des moments multipolaires des autres. Voilà, on a une petite pause. Bien, maintenant j'ai décrit ici comment on a le mouvement de Encore en relativité générale à une certaine approximation. Maintenant j'aimerais discuter ce qui se passe dans d'autres théories de la gravitation. En expliquant à la fois rapidement ce qui s'appelle le formalisme post-newtonien paramétrisé et son sens diagrammatique. Dès le début de la relativité générale, en fait, des gens comme Eddington se sont dit « Bon, en relativité générale, et pour… » ils avaient à l'esprit surtout le potentiel du Soleil avec U égale GM sur R. On sait qu'il y a un terme quadratique ici, et puis pour la partie spatiale, on a une métrique comme ça. Et en relativité générale, il y a un coefficient 2 ici, il y a un coefficient 2 là. Et puis les gens se sont dit, oui mais après tout, il pourrait peut-être y avoir d'autres théories de la gravitation, et peut-être qu'ils vont donner non pas un coefficient 2, mais 2 bêta, où bêta en relativité générale vaut 1, mais quand il est différent de 1, ça veut dire qu'on a une autre théorie de la gravitation. Et ici aussi, il pourrait y avoir un coefficient différent de celui de la relativité générale. Ça. Donc, des gens comme Eddington, et puis après d'autres, ont introduit cette paramétrisation en disant qu'est-ce que les tests de la gravitation nous apprennent sur la valeur de bêta et de gamma. Et j'aimerais à la fois indiquer effectivement quelles sont les limites expérimentales, et ça c'est les paramètres les plus simples pour aller au-delà de la théorie d'Einstein. Je vais expliquer en fait le sens physique, un des sens physiques possibles de ces paramètres, qui est que ces paramètres mesurent la possibilité que la gravitation soit due non seulement au tenseur métrique, gémunu, c'est-à-dire ce qu'on appelle le spin 2 sans masse, mais soit due aussi à l'échange d'une particule de spin 0, c'est-à-dire qui est, en plus de... que vous ayez une théorie de champ où, en plus du couplage d'une certaine métrique gémunu à la matière, vous ayez un certain champ scalaire sans masse. Et dans ce cas-là, les diagrammes sont assez utiles. On va voir pourquoi. Mais je vais d'abord écrire quelle serait l'action d'une théorie qui contient non seulement la gravitation, mais aussi un champ scalaire sans masse, ici. Donc, il y aurait une certaine métrique G-star, on va voir pourquoi on l'appelle G-star, qui satisfait l'action, étant donné par l'action d'Einstein, Hilbert. Et puis vous rajoutez un terme supplémentaire qui est le terme cinétique d'un champ scalaire. Alors le terme cinétique d'un champ scalaire, c'est juste gradient phi carré, mais par rapport à une certaine métrique. Et donc, il est toujours possible de définir une certaine métrique telle que l'action de la gravitation soit ça, plus le terme cinétique normalisé avec un coefficient 2. Mais maintenant, les effets physiques de ce champ scalaire, vous allez dire que la matière, les champs de matière, comme les champs de fermions, les champs, etc., de Maxwell, de Higgs, de Braut, Engler, Higgs, sont couplés à une métrique G-tilde mu nu, qui n'est pas la même métrique que celle-là, mais où la métrique G-tilde mu nu qui se couple à la matière diffère de celle qui apparaît dans l'action
Mais comme vous avez un champ scalaire, la façon la plus simple de dire que vous avez deux métriques différentes, c'est de dire qu'elles sont conformes l'une à l'autre, c'est-à-dire que l'une diffère par un changement d'échelle, et donc vous écrivez une certaine fonction de phi devant, et j'écris cette fonction de phi de nouveau sous forme exponentielle, c'est juste une notation, mais c'est commode. Donc ça, ça définit une théorie qui est en fait la plus générale possible pour un truc qui est vraiment sans masse, parce qu'il y a une seule fonction arbitraire qui peut apparaître. Donc, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire le fait que... Donc ça, ça dit que le principe d'équivalence locale est valable, c'est-à-dire tous les corps tombent avec la même accélération, mais cette accélération veut dire que c'est une géodésique dans la métrique G tilde. Bien. Alors que... Mais la métrique G tilde, c'est pas celle qui satisfait les équations d'Einstein. Et donc, du coup, ça change la théorie. Comment ça la change? Si vous prenez simplement une particule... tests, par exemple, vous avez l'action pour une particule test qui est la longueur de la ligne d'univers multipliée par la masse, mais calculée comme elle se couple à ça dans la métrique G tilde. Et si vous remplacez ça en fonction de l'autre métrique, vous voyez que cette action, je vais enlever le C assez rapidement, c'est M tilde exponentielle A de phi des S star. C'est-à-dire la longueur de la ligne d'univers dans la métrique tilde, c'est celle dans la métrique S star qui apparaît dans l'action, multipliée par quelque chose qui est la racine carrée de ce facteur, et donc qui est ça. Donc vous voyez que tout se passe comme si, quand vous résolvez les équations d'Einstein là, et que vous regardez les couplages au niveau de cette action, vous voyez qu'il y a effectivement un couplage du champ scalaire à la matière, et que ce couplage est donné par ça. Et du coup, quand vous faites les développements, vous allez voir que le coefficient qui mesure vraiment les choses nouvelles, c'est-à-dire le fait qu'il y a un champ scalaire qui est couplé à la matière, va être le gradient du logarithme de ça. C'est pour ça que j'avais mis une exponentielle. M tilde A exponentielle A de phi. Et à l'approximation où je suis, c'est-à-dire quand je considère une particule d'épreuve, vous dites que sa masse mesurée dans les coordonnées, par rapport à la métrique GTD est constante, c'est la définition d'une particule d'épreuve. Et du coup, la seule contribution à cette dérivée vient de ça. Et donc, vous voyez que vous avez simplement le gradient par rapport à phi de alpha de phi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, en termes de diagramme, quand vous résolvez maintenant l'action, vous faites la même chose que j'ai fait la dernière fois. C'est-à-dire vous écrivez l'action qui représente l'énergie d'interaction entre plusieurs corps. Mais maintenant, vous allez avoir des diagrammes de deux types. Des diagrammes qui échangent la métrique G star mu nu, c'est ce qu'on appelle le spin 2, parce que cette action veut dire que c'est un champ... massless sans masse de spin 2, et puis vous devez rajouter entre deux corps de masse M1, M2 ou MA et MB, d'abord le couplage à la gravitation, il vient toujours de ça, donc ici j'ai toujours le M tilde A et le M tilde B, et puis j'ai un couplage supplémentaire dû à l'échange du champ scalaire, phi. Et justement, quand vous écrivez les équations du champ phi, vous écrivez les équations d'Euler-Lagrange, vous vous trouvez qui se couple à la matière à travers ce coefficient-là. Ce qui veut dire, en termes de diagramme, c'est que ici, vous avez M tilde A alpha, et ici, vous avez M tilde B alpha. Et le alpha de phi est calculé au champ phi 0 loin du système, parce que vous résolvez ces équations en disant que phi est égal à phi 0 loin, par exemple du système solaire, plus une perturbation du genre solution des sources locales par le fait que j'ai n corps qui se couple à phi. Mais je peux avoir aussi une valeur de phi qui est due à l'évolution cosmologique et qui est loin du système. Et c'est celle qui apparaît là-dedans. Alors, rien qu'en en voyant ça, et d'ailleurs, si on regarde plus précisément ici, vous voyez que ce qui apparaît ici, c'est qu'il y a aussi une exponentielle A de phi 0 qui apparaît à chaque bout, parce que vous le lisez dans cette formule. Je ne vais pas en refaire tous les calculs, c'est juste pour dire
vous faites les calculs et vous trouvez que l'interaction, le potentiel d'interaction au niveau newtonien entre deux corps s'écrit comme d'habitude par une force en 1 sur R, mais cette force en 1 sur R, elle est due à deux contributions. Il y a le potentiel en 1 sur R de spin 2 et le potentiel en 1 sur R de spin 0 qui s'ajoutent, parce que vous avez deux diagrammes qui s'ajoutent. Et ça, ça veut dire que le GTD, c'est la constante de Newton effective qui apparaît, elle est égale à la constante de Newton nu qui apparaît dans l'action, qui serait celle du spin 2 seul, modifiée par plusieurs choses. D'abord, il y a une modification qui sont ces facteurs qui apparaissent ici forcément. Okay. Et puis, il y a une modification supplémentaire, c'est que il y a l'échange du spin 2, donc, et puis il y a l'échange du spin 0. Et comme je l'ai dit, quand vous faites les calculs, vous trouvez que l'échange du spin 0 est égal, comme il y a un couplage. Alors c'est là où les diagrammes sont utiles, parce que vous voyez directement que si vous vous couplez à gauche et à droite avec un certain facteur, dans l'interaction, vous aurez le produit des deux facteurs. Et donc, nécessairement, vous allez avoir le carré du coefficient de couplage au champ scalaire qui apparaît là. Et donc, cette formule vous dit que, au niveau newtonien, pour le moment, il ne se passe pas grand-chose, parce que vous avez juste dit, bon, j'ai une constante de Newton effective qui n'est pas celle qui apparaît dans le Lagrangien. Elle est modifiée par le fait que j'ai un background cosmologique et puis aussi par le fait que j'ai échangé du spin 0. Mais vous vous rappelez que dans les diagrammes, ça, c'est ce terme-là à l'approximation newtonienne. Mais j'avais fait le calcul en disant on peut faire ce diagramme-là en gardant les termes en V2 sur C2. Et j'avais dit que ça introduit une modification des termes gravito-magnétiques, qui est les termes en vitesse au carré sur C2, et que cette modification était contenue dans un paramètre gamma qui apparaissait sous la forme, si vous relisez vos notes, comme ça. Il y avait un terme supplémentaire qui était en VA moins VB au carré sur C2 et qui dépendait du spin du champ échangé. Et j'avais indiqué les valeurs que prenait gamma S pour le spin 2, le spin 1 et le spin 0. En fait, il y avait une formule générale qui était que gamma S est égal à moins 1 plus le carré du spin sur 2. Autrement dit, ça voulait dire que ça valait moins 1 pour le spin 0 et plus 1 pour le spin 2. Mais du coup, quand vous faites ce calcul-là, vous allez avoir une somme de deux termes. Vous allez avoir les couplages gravito-magnétiques dus au spin 0 et ceux dus au spin 2. Et donc le gamma qui apparaîtra, c'est-à-dire à la fin, vous aurez un gamma effectif, okay, qui multipliera ces termes-là, mais ce gamma-là sera une combinaison linéaire, comme c'est un calcul linéaire, vous faites la somme des deux, combinaison linéaire du gamma pour le spin 2 et du gamma sur le spin 0, mais avec des poids que l'on voit dans les diagrammes, parce que si par exemple alpha était égal à 0, ce terme-là n'aurait pas de poids. Donc en fait, ici vous avez le poids relatif, ça c'est le poids relatif du spin 2 et ça c'est le poids relatif du spin 0. Et donc je dois prendre ces poids relatifs ici. Et donc je mets ici alpha carré et puis je divise, c'est une moyenne, alpha 2. Mais maintenant, j'ai dit gamma 2 pour le spin 2 vaut 1, donc ça c'est 1, gamma 0 vaut moins 1, donc c'est 1 moins C2 sur 1 plus alpha 2. Et donc, vous voyez qu'ici, avec les calculs précédents, sans faire de nouveaux calculs, vous en déduisez que si vous avez une théorie tenseur scalaire, il apparaît un paramètre gamma qui modifie les termes gravito-magnétiques et que la valeur de ce paramètre gamma, quand j'ai un champ scalaire, est donnée par cette formule-là, où alpha 2 mesure de combien se coupe le champ scalaire. C'est-à-dire, si je prends la différence par rapport à 1 aussi, ça veut dire que la déviation par rapport à la relativité générale, qui est cette valeur-là, est donnée par cette formule-là. Et maintenant, si vous interprétez ces termes de couplage magnétique, vous trouvez aussi qu'ils sont équivalents à ce gamma-là. C'est pour ça qu'il a été noté gamma. Et donc, conclusion, dans une théorie, voilà pourquoi votre fille est muette, dans une théorie tenseur scalaire, le coefficient gamma du vieux paramétrage post-newtonien paramétrisé a cette expression-là, c'est-à-dire qu'il est lié à l'intensité du couplage du champ scalaire qui se couple à la matière. En plus, bien, donc tout test de la gravitation qui va vérifier si gamma vaut 1 ou pas va être un test de savoir s'il y a un certain couplage scalaire qui se rajoute ou pas. Mais ça, c'est au niveau de l'échange linéaire du spin 0, mais il y a aussi des couplages non linéaires. Et
d'où viennent ces couplages non linéaires. L'avantage des diagrammes, parfois les diagrammes n'aident pas à faire les calculs explicites, d'ailleurs vous pouvez les faire aussi, par exemple au niveau 1PN, ce que j'ai expliqué ici rend les choses plus simples en fait, pour, techniquement pour calculer le Lagrangien à l'ordre où on travaille ici, mais ça permet parfois de clarifier les idées sur l'origine physique des choses. Et en particulier, quand vous avez un champ scalaire, vous allez avoir, même entre deux corps, des couplages de ce type-là. Pourquoi ? Un couplage de ce type-là veut dire que, ici, j'ai une certaine matière, disons M tilde A, et qu'elle se couple à deux champs phi. C'est-à-dire qu'elle se couple quadratiquement au champ phi. Mais quel est le couplage d'une matière au champ ? C'est donné par cette formule-là. Et donc, vous voyez que... Et en fait, il faut prendre le logarithme de ça, ce qui fait que ce qui compte, c'est cette fonction a de phi, et vous trouvez que si cette fonction a de phi n'est pas une fonction linéaire de phi, mais que c'est une fonction quelconque, si a comme fonction de phi, et qu'au point où vous êtes, cette fonction, elle a une certaine dérivée première que j'ai introduite ici, et puis elle a une dérivée seconde, qui est donc la dérivée de sa dérivée première. Hein. Et en faisant le calcul, vous trouvez que ce terme-là, comme il était précisément du type des couplages en 1 sur R carré à deux corps que j'avais écrit la dernière fois, il change le coefficient bêta. Okay? Et plus précisément, en faisant le calcul, vous trouvez que bêta moins 1, je vais l'écrire en dessous, non, je vais continuer à écrire là, bêta moins 1, 1 étant la valeur en relativité générale, est proportionnel à cette dérivée-là. Mais rien qu'en regardant ce diagramme, vous savez aussi qu'il se passe d'autres choses. Parce que j'ai dit ici, j'ai un couplage avec deux champs phi. Donc ça, ça va faire intervenir la courbure de cette fonction. Mais ici, j'ai des couplages au champ phi linéaire. Donc forcément, j'ai un facteur alpha à des pattes à l'autre. Donc sans faire aucun calcul, vous trouvez qu'il doit y avoir à la fois un facteur alpha, la dérivée de alpha par rapport à phi, et puis un deuxième facteur alpha. Et avec les normalisations, vous trouvez qu'il y a aussi un plus alpha 2 carré. Voilà. Donc ici, j'ai deux formules qui me disent que si dans le système solaire, je teste gamma, je vérifie directement l'intensité du couplage d'un champ scalaire. C'est une interprétation physique du paramètre gamma, qui sinon était un truc un peu arbitraire. Et le paramètre bêta mesure lui aussi des choses liées à un scalaire, mais avec quelque chose au niveau non linéaire. Mais il y a une troisième chose importante, qui est qu'en relativité générale, on a montré avant, enfin j'ai indiqué que ça le démontrait, qu'il n'y a pas d'effet d'autogravitation, c'est-à-dire sur le mouvement. Autrement dit, un corps d'épreuve, comme un grain de poussière, ou un corps autogravitant, comme la Terre ou la Lune, tombe avec la même accélération dans un champ gravitationnel extérieur. Elles suivent toutes une géodésique du champ gravitationnel extérieur, où si le corps est autogravitant, je dois enlever son autogravitation. S'il ne l'est pas, je n'ai pas à l'enlever, c'est de toute façon le champ extérieur. Bien. Mais cette propriété-là n'est pas vraie dans d'autres théories de la gravitation. Et ça, c'est quelque chose qui a été trouvé en 1968 par Ken Nordvedt. Et ça a une explication très simple en termes de couplage au champ gravitationnel, au champ scalaire, qui est la chose suivante. Ici, j'ai dit, je prends un corps d'épreuve, et donc, son action est donnée par ça. OK, tout ça, c'est vrai. Et puis après, je disais, donc le couplage est donné par ça. Et j'ai dit, comme ça est constant, le couplage ne fait intervenir que ça. Mais si je prends maintenant un corps autogravitant, sa masse totale va contenir une contribution due à l'énergie gravitationnelle de liaison. Et donc, un corps autogravitant, même dans les unités M tilde A ou sa masse ordinaire, disons, qui est la masse au repos de tous les objets dont il est fait, plus les effets de pression, comme on a vu, tout ça, bon, c'est une certaine constante qui ne dépend pas du champ, qui ne dépend de rien, mais il y a aussi une contribution qui dépend de l'énergie gravitationnelle du corps A, de ce corps A. Mais cette énergie gravitationnelle, c'est une énergie de liaison, elle est due à l'intérieur du corps, à des forces gravitationnelles, ok ? Et donc, à l'intérieur du corps, c'est le G tilde qui apparaît, puisque
les interactions gravitationnelles, l'énergie de liaison, est due à l'échange soit d'un graviton, soit d'un scalaire. Tout ça, ça contribue à l'énergie de liaison gravitationnelle. Et donc, je dois avoir un terme qui est proportionnel à G tilde, okay, qui est par définition l'énergie de liaison gravitationnelle. Mais j'ai écrit la formule là, que G tilde, vous voyez, était une fonction de phi zéro. Mais phi zéro, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire je regardais un système, et puis le champ phi avait une certaine valeur à l'infini, et puis il bougeait au voisinage des corps, comme ça, et ce qui comptait, c'était la valeur de phi loin du corps. Mais si maintenant je regarde l'énergie de liaison gravitationnelle d'un corps, il faut que je considère que loin du corps, ça veut dire aussi loin des autres objets. Il faut que je me mette dans un référentiel attaché à ce corps-là, et puis les autres corps vont modifier phi, et puis localement, je vais avoir que la valeur asymptotique du champ scalaire vu localement autour du corps, elle est influencée par les autres corps. Donc ça veut dire que, techniquement, que le phi zéro que je dois remplacer ici, c'est un phi local, c'est-à-dire c'est pas le phi zéro à l'infini, mais c'est le phi à 10 fois ou 100 fois le rayon de mon corps, mais beaucoup plus loin, mais proche par rapport aux autres corps. Et donc, oui. Oui, c'est parce que je veux éviter ici de faire ce que je ferai la prochaine fois, ce qui est un développement de raccordement, de développement asymptotique. On a regardé ça avec Gilles Esposito. Enfin, la prochaine fois, j'attends. Mais en fait, tous ces développements-là le rendent très clair. Dans chaque, voilà, si je généralise ce que j'ai fait ici, dans chaque référentiel local grand X, le champ qui était gravitationality était la somme d'un W plus créé par le corps et d'un W bar. Quand on fait le raisonnement, de même qu'ici c'était une géodésique dans le W bar, le phi qu'il faut prendre c'est le phi bar. En fait, il y a un phi plus qui est engendré par le corps et puis le phi bar créé par les autres. Et quand on généralise le raisonnement que j'ai fait ici avec un champ scalaire, on trouve qu'il faut mettre le phi bar. Et donc c'est le phi bar A. Okay, c'est le phi, mais qui est bien défini par le formalisme multicarte. Donc, et pourquoi je dis ça? Parce que du coup, vous voyez que dans cette formule-là, je dois maintenant dire, ah, mais ce M tilde, il dépend de phi aussi. Okay? Et donc, j'ai un terme supplémentaire qui est non seulement ce alpha-là, mais qui contient un terme lié à la dérivée par rapport à phi de M tilde. Mais cette dérivée par rapport à phi de M tilde, elle va être proportionnelle à l'énergie de liaison gravitationnelle et proportionnelle à quoi? À la dérivée par rapport à phi de G tilde de phi. Et quand vous faites le calcul, c'est un calcul assez simple, vous trouvez que du coup, mais qui est dû simplement, c'est la différenciation de cette formule, hein. Vous prenez cette formule et vous dérivez le produit, et puis vous voyez qu'il va y avoir une dérivée de A qui donne du alpha, il y a la dérivée de alpha 2 qui va donner du alpha, de la dérivée de alpha et du alpha, qui est précisément bêta. Et donc, vous voyez que simplement en faisant ce calcul, le terme supplémentaire va être une combinaison de bêta moins 1 et de gamma moins 1. Et quand vous faites le calcul, vous trouvez que c'est équivalent à dire que au-delà des paramètres, enfin, c'est toujours les paramètres gamma et bêta, le Lagrangien à n corps contient des modifications telles qu'on les avait écrites la fois d'avant, où il faut tenir compte, les termes magnétiques sont modifiés d'un terme gamma moins 1 VA moins VB carré. Les termes de ce type-là, c'est-à-dire en MA, MB, MC, sur RAB, RAC, enfin quand j'ai ici trois lignes, okay, et que ça c'est la ligne A, sont modifiés par un coefficient bêta moins 1, ok. Et puis il y a un terme supplémentaire, et quand vous faites le calcul, vous trouvez que l'énergie d'interaction newtonienne, c'est-à-dire le terme de base cette fois, parce que dans l'action, le premier terme, c'est le terme newtonien, G, M1, M2 sur R. Eh bien, le G qui apparaît là-dedans devient modifié, c'est-à-dire entre deux corps, à cause du calcul que je viens d'esquisser, peut-être un peu trop rapidement, vous trouvez que celui-là est égal à la formule que j'écrivais au-dessus, okay. Où cette fois je reviens à la valeur de phi loin du corps, parce que ces termes-là sont là. Okay. Et puis, il y a un terme supplémentaire qui est en fait un produit de deux termes, mais ici, comme c'est 1 plus epsilon, je mets le produit comme la somme des termes, où
le coefficient qui apparaît ici, c'est 4 gamma, 4 bêta moins gamma moins 3, fois l'énergie de liaison gravitationnelle sur MAC2, tout ça dans les mêmes unités, plus MBC2. Donc ça, c'est des termes qui sont liés à la fraction de l'énergie gravitationnelle, à la fraction de la masse du corps qui est d'origine de liaison gravitationnelle. Et le coefficient devant, le calcul que j'ai indiqué, vous pouvez le refaire, vous différenciez juste gtd par rapport à phi, et vous verrez que le résultat est proportionnel à cette combinaison-là exprimée en fonction de alpha 2 et de la dérivée de alpha. Cette combinaison-là, en relativité générale, comme bêta vaut 1 et gamma vaut 1, vous voyez que ça fait 4 moins 1 moins 3, ça vaut 0 en relativité générale. Donc c'est quelque chose qui mesure, c'est une des mesures, on l'appelle aussi eta, ce coefficient, qui mesure la déviation de la relativité générale. Mais vous voyez que l'intérêt conceptuel, c'est que, alors qu'en relativité générale, les effets d'autogravitation d'un corps ne changeaient pas son interaction avec les autres corps, ici, un corps plus fortement autogravitant n'a pas le même couplage, la même constante de Newton dans un autre corps. Et du coup, maintenant venons-en au test, c'est-à-dire quelles sont les vérifications. Oui, Nathalie ? Le bêta, il est évalué en phi 1 alors. Une fois qu'on a fait le calcul, pour démontrer, pour le raisonnement que j'indique ici, c'est que quand je suis au niveau de l'action, j'ai m tilde a, du phi a, dsta a, ok, et ça c'est une action. Donc quand je fais, quand je dérive les équations d'Euler-Lagrange, il faut que dans cette action, je tienne compte que c'est g tilde, la dépendance de ça, c'est par rapport à ça. Mais comme on résout le phi a par approximation successive, à la fin du calcul, le phi qu'on met dedans, ça redevient le phi 0. Même si pour des corps, pour les étoiles à neutrons par exemple, il faut ne pas perdre de précision, etc. Ça c'est l'approche traditionnelle. Tout est cohérent. L'essentiel c'est que la dérivée logarithmique du g tilde par cette formule précisément donne ce coefficient état. Donc c'est une interprétation de ce terme-là que l'autogravitation dans d'autres théories de la gravitation intervient. Oui. Mohab. La plus simple de voir tout ça, c'est pas de réécrire la combinaison R-2G dφ comme le scalaire de la courbure scalaire de la métrique G tilde. Mais ça ne l'est pas, oui. Oui. Plus d'autres termes. Auquel cas, il est évident qu'il n'y a qu'un seul diagramme et que la force est donnée par la formule G tilde, M tilde A, M tilde B sur la distance. Et puis après, si je veux, je réécris G tilde en fonction d'un scalaire. Et quand je fais le développement de Taylor, je vais trouver tous ces coefficients. On peut, mais pour le gamma, par exemple, c'était beaucoup plus simple d'utiliser vraiment, pour ma démonstration en une ligne qui est là, pour ça, il fallait utiliser le Einstein frame, comme on dit, c'est-à-dire d'avoir la représentation irréductible de spin 2 pour avoir une combinaison du gamma 1 et gamma moins 1. Alors que sinon, en fait, le calcul est plus compliqué. Enfin, on peut faire le calcul de différentes façons. Et puis ça veut dire que, par exemple, là-haut, j'ai les mêmes équations qu'ici à droite, là, l'équation de Poisson, mais pour la métrique G tilde. Non, c'est plus. Les équations sont toujours beaucoup plus compliquées si on prend G tilde. G tilde, ça ne satisfait pas des bonnes équations en général. Okay. Le G star satisfait des meilleures équations et on voit mieux pour le calcul, parce qu'on a fait le calcul avec Gilles Esposito-Varese par exemple, pour faire le calcul que je dirai la fois prochaine pour les étoiles à neutrons et de rayonnement gravitationnel émis, G tilde est une très mauvaise façon de faire le calcul. Okay. Pour d'autres choses peut-être ça peut, hein, mais en général il vaut mieux utiliser G star. Venons-en maintenant aux tests expérimentaux. Alors, on va effacer un peu par là. Donc ici, j'ai juste indiqué rapidement, il y a la relativité générale, et puis si vous changez la relativité générale, par exemple, le cadre le plus simple, c'est de dire, je pourrais avoir un champ scalaire à longue portée, mais qui se rajoute. Vous voyez que tout de suite, ça introduit plusieurs modifications, qui sont paramétrisées simplement par alpha et sa dérivée, mais la combinaison ici apparaît certains effets physiques, et les autres combinaisons bêta et gamma apparaissent ailleurs. Alors, quels sont les tests dans le système solaire? Un des tests les plus précis a été fait grâce à la sonde Cassini, quand elle était à l'autre bout du système solaire, par Bertotti
et al. Publié en 2003. Et donc, on est sur Terre. Il y a le Soleil, comme mademoiselle nous l'a rappelé, qui est très important puisque c'est tout de même la masse principale. Et la sonde Cassini, à ce moment-là, était à l'autre bout du système solaire. Et puis, cette expérience consistait à échanger des ondes électromagnétiques en les envoyant depuis la Terre. Et sur la sonde Cassini, qui est un satellite, il y avait un transpondeur qui, en fait, renvoyait le signal, mais pas tel que, en fait, transponder, ça veut dire, je ne sais pas si on le dit vraiment en français, ça veut dire que vous réamplifiez le signal, vous gardez sa phase, mais vous réémettez un autre signal, parce que sinon l'aller-retour il serait trop faible ici. Et ce que vous mesuriez dans cette expérience, ce n'était pas le temps d'aller-retour, mais c'était la fréquence. Donc vous envoyez une certaine onde électromagnétique qui part avec une fréquence nue de départ, hein, à l'émission, et puis au retour, après cette opération d'être transpondu, vous avez une autre fréquence pour l'onde électromagnétique qui revient. Et vous calculez le rapport entre les deux fréquences. Alors quel est le lien avec les paramètres post-newtoniens? Je l'ai déjà dit rapidement, mais je le redis. C'est le principe de Fermat. Il suffit de décrire les ondes électromagnétiques dans le système solaire comme à l'approximation de optique, de l'optique géométrique, c'est-à-dire WKB. Et donc, vous dites que c'est un rayon géodésique de type isotrope qui donc satisfait ça, plus 1 plus 2. Alors là, si je ne suis pas en relativité générale, j'ai gamma qui intervient, fois dx2, égale à 0. Ça, c'est je n'ai pas encore dit que c'était une géodésique, c'est simplement une ligne d'univers isotrope, de carré nul, okay, le long du cône de lumière, par définition de la lumière. Et donc, vous résolvez ça, ça vous donne CdT. CdT va contenir au carré 2 gamma plus 2, je prends la racine carrée, ça enlève les 2, et donc ça me dit que CdT est égal à 1 plus gamma plus 1, sur ces deux U, dx, module de dx. Et maintenant, vous utilisez le principe de Fermat, qui est que dans une condition stationnaire, les rayons lumineux vont minimiser le temps coordonné, T, il s'agit vraiment du temps coordonné, quand vous refaites le raisonnement de Fermat à partir de l'action. Et donc, vous regardez l'intégrale de Fermat, du point au point 2, qui vous donne le temps t pour aller de 1 à 2, et vous voyez qu'il y a deux termes. Il y a le terme habituel, qui est la distance coordonnée, et puis vous avez un terme supplémentaire qui dépend du potentiel gravitationnel. Et c'est ce qu'on appelle le retard gravitationnel, trouvé par Erwin Shapiro en 1964. Et quand vous faites, ça c'est pour le temps d'aller-retour, okay, pour avoir la fréquence, vous dérivez ce temps d'aller-retour. Après, il faut passer à la fréquence locale en temps propre, mais en fait, c'est un effet faible par rapport au fait que l'expérience Cassini a été faite à un moment où la ligne de visée entre le satellite et nous passait très près du Soleil. Ce qui veut dire que dans cette intégrale, il va y avoir le M sur R énorme du Soleil intégré au passage du Soleil, ce qui donne un certain terme logarithmique, dont vous prenez la dérivée, comme ça il n'est plus logarithmique, il est algébrique. Et à la fin, vous trouvez que le changement de fréquence, c'est-à-dire le nu de l'écho que vous recevez sur le nu à l'émission, est donné par un certain intégral, enfin un certain terme algébrique, et qui contient gamma plus 1 devant. Vous mesurez ce terme-là, vous trouvez qu'il vaut une certaine valeur qui est égale à la valeur de la relativité générale, modulo des petites déviations possibles. Et comme ça, vous avez la meilleure limite à l'heure actuelle sur le coefficient gamma. En fait, vous trouvez que gamma moins 1, c'est la valeur de la relativité générale, est de l'ordre de 10 moins 5. C'est compatible avec 0. Okay, parce que ça, c'est un sigma. Donc, ne vous inquiétez pas du fait que 2.3, enfin d'ailleurs, c'est plus grand que 2 points. Ok, donc ça c'est un des tests les plus précis dans le système solaire qui dit qu'on a prévu une déviation de la relativité générale, gamma, mais finalement ça vaut 1 à 10-5 près, ce qui est vraiment très bon. Okay. Les autres tests, il y a d'autres tests de gamma, il y en a beaucoup en fait, parce que gamma intervient à l'approximation linéarisée et donc du coup il a beaucoup d'effets. Par exemple, il y a un effet qui a été compris par De Sitter dès 1916
et qui a été mesuré après plus récemment, c'est que si vous avez autour du Soleil, vous avez le système Terre-Lune. Donc vous avez la Terre, vous avez la Lune. Je vais juste le décrire en termes intuitifs. Et la Lune tourne autour de la Terre, mais la Terre tourne autour du Soleil, et les deux aussi tournent autour du Soleil. Et donc, j'ai dit qu'en relativité générale, il y avait non seulement des effets gravito-électriques, comme un champ électrique E, gravito-électrique, mais aussi des effets gravito-magnétiques. Quand vous êtes dans le référentiel du Soleil, vous n'avez qu'un champ gravito-électrique, parce que c'est un champ en M sur R carré dû au Soleil. Mais quand vous êtes dans un mouvement en référentiel par rapport à ça, la théorie que j'ai indiquée ici, des champs gravito-électriques, vous dit que vous avez un champ gravito-magnétique local qui est donné par les formules de transformation du type de Lorentz, c'est-à-dire qu'un champ électrique, gravito-électrique, vu dans un référentiel en mouvement, apparaît comme un champ gravito-magnétique H, est-ce que j'ai écrit la formule, oui, que j'avais noté B, c'était le BIJ que j'avais écrit, qui vaut moins 4, où il apparaît le coefficient moins 4 toujours dans Einstein, fois V cross, pardon, produit extérieur, avec produit, comment qu'on appelle en français, V cross. Bien. Vectoriel. Produit vectoriel, oui, d'accord. Avec E. Et donc, ici, là-dedans, vous avez un champ magnétique. Mais maintenant, la Lune est quelque chose qui se déplace. Et en fait, dans son déplacement, elle fait comme un courant. C'est comme si vous aviez un électron qui tourne dans une boucle d'un champ électrique. Et donc, un électron, un courant qui tourne dans une boucle, ça a un champ, ça a un moment magnétique, mu, dipolaire, qui se couple au champ B magnétique aussi par mu dot B. Ok, produit scalaire cette fois. Et donc vous voyez que vous avez ces couplages spin-orbite qui veulent dire que l'orbite de la Lune autour de la Terre doit précesser dans ce champ magnétique. Ok. Donc ça c'est une conséquence des équations. En fait là je le décris juste en termes intuitifs pour dire qu'il y a vraiment des effets gravito-magnétiques. Mais vous prenez les équations du mouvement Einkorn et vous calculez et vous trouvez cet effet-là. Cet effet-là, il dépend des couplages linéaires de la gravitation, donc il dépend de gamma. Et en l'utilisant, en le mesurant, on a mesuré qu'il était égal à la prédiction de la relativité déjà à 10-3 près. Donc, mais vu le 10-5, c'est moins intéressant aujourd'hui. Et puis, vous avez d'autres couplages, par exemple autour de la Terre. Le fait que la Terre tourne veut dire que maintenant la Terre, elle crée comme un champ magnétique. Parce que quand la Terre, si la Terre ne tournait pas, elle créerait qu'un champ gravito-électrique. Mais maintenant, j'ai comme quelque chose qui a des courants d'ampères, mais du type einsteinien. Et donc ça, ça crée un champ B gravito-magnétique autour. Et si dans ce champ-là, je mets soit une particule qui tourne sur une trajectoire, mais ça c'est de nouveau comme un courant dans une boucle électrique qui se couple, etc. Ou alors, mieux, plus fort, je mets ici vraiment un gyroscope, et donc maintenant j'ai le couplage spin-spin. Bon, voilà. Donc tous ces par exemple, l'expérience récente Gravity Probe B a vérifié que tous ces termes-là étaient bien décrits par la relativité générale, mais finalement les limites que vous obtenez sur gamma sont moins précises que celles que je donnais de l'expérience de Cassini. Quant aux limites sur bêta, il y en a de plusieurs sortes. Je vais laisser ça, oui, alors je vais effacer là-haut. Il y a d'abord celles qui sont liées justement au test célèbre historique d'Einstein, qui est le périhélie de Mercure, ou des autres planètes, mais Mercure reste important. Pourquoi Mercure reste important? Parce que c'est la planète la plus proche du Soleil. Donc c'est elle qui sent les effets de courbure et de déviation de la métrique plate de façon la plus intense. Alors, j'avais indiqué rapidement comment vous pouvez calculer l'avance du périhélie de Mercure en relativité générale. Ça consistait à écrire Lagrangien. Vous pouvez faire la même chose dans une théorie où la métrique est décrite et modifiée par les coefficients. Ici, vous faites le même calcul, mais avec bêta et gamma. Vous faites le calcul, vous recalculez l'avance du périhélie et vous trouvez que l'avance du périhélie de Mercure, enfin n'importe quelle planète, est donnée par le résultat qui est en relativité générale, qui est 6 pi g m sur c2 p, où p, c'est le paramètre de l'ellipse du corps considéré tournant autour d'un corps de masse m. Et puis, devant, il y a un coefficient qui est 2 plus 2 gamma moins bêta sur 3. Il a été juste normalisé
de sorte qu'en relativité générale, oui, gamma vaut 1, bêta vaut 1, donc ça, ça fait 3 sur 3, ça fait 1. Donc c'est juste la normalisation à la relativité générale. Ça, c'est la prédiction de la relativité générale. Cet effet-là, remarquez que c'est un effet qui n'est pas un effet de zéro, c'est-à-dire quand gamma et bêta vaut 1, cet effet est non nul, contrairement aux effets ici qui étaient proportionnels à cette combinaison, qui eux disparaissent en relativité générale, donc ils sont effectivement moins évidents et en un certain sens plus intéressants. Mais les tests historiques de l'avance du périhélie de Mercure ont donné des limites sur cette combinaison de gamma et bêta qui étaient plutôt au niveau 10-3. Récemment, des analyses, les données d'une sonde qui est allée autour de Mercure et qui est restée en orbite autour de Mercure et qui l'est peut-être encore, qui est arrivée en 2011. Et donc, il y a des données d'ondes radio depuis la Terre jusqu'à Mercure qui ont donné des contraintes qui semblent être meilleures. Et il y a un claim de Verma, Fienga, Lascar et d'autres, que en fait, on arriverait, surtout si on fixe par exemple gamma égale 1, à avoir des limites, enfin disons qu'on a des limites sur 2 gamma moins bêta moins 1, de niveau 10-5 aussi. J'aimerais mieux comprendre ça, mais en tout cas, il semble que, mais dans le futur, certainement, ce type de données va compléter ça et dire que peut-être bien bêta aussi ne peut pas dévier de 1 de plus que 10-5. Sinon, dans l'intervalle, il y a les conséquences de ça. Parce que ça, ça vous dit quoi? Ça vous dit que si vous considérez de nouveau le système Terre-Lune, vous avez la Terre, vous avez la Lune, et puis vous avez le Soleil. La Terre, bon, la Lune tourne autour de la Terre, mais avant ça, la Terre et la Lune tombent vers le Soleil, c'est-à-dire les deux ont une certaine accélération vers le Soleil. Alors, cette accélération, le fait qu'elle ne soit pas dirigée exactement de la même façon, c'est ce qu'on appelle les forces de marée, en fait. Okay. Mais avant qu'il y ait des forces de marée, si vous regardez cette formule vous dit que l'interaction, c'est-à-dire la force en 1 sur R carré sur l'objet A due à la masse de l'objet B est proportionnelle à quelque chose qui contient à la fois l'énergie gravitationnelle de liaison du corps A et du corps B. Si maintenant j'applique cette formule, à la fois je vais prendre, disons, A, le Soleil, non, je vais prendre C, le Soleil, et je regarde ici A et B. Donc j'ai la constante de Newton de B vers C, et j'ai la constante de Newton de A vers C. Ça, ça contient un terme qui est l'énergie gravitationnelle de B, et puis l'énergie gravitationnelle de C, mais elle va être commune à ça et ça. Et puis là, j'ai l'énergie gravitationnelle de A, plus l'énergie gravitationnelle de C. Ces termes-là, quand je fais le rapport entre les deux, disparaissent. Mais le fait que l'autogravitation de la Lune sur elle-même ne soit pas égale à l'autogravitation de la Terre sur elle-même prédit qu'il doit y avoir que la force en 1 sur R2 due au Soleil n'est pas exactement la même sur la Lune et sur la Terre. Autrement dit, que, comme disait Newton, que peut-être la Lune tombe un peu plus vite, avec une accélération un peu plus forte vers le Soleil que la Terre. Si vous faites ça, c'est-à-dire vous vous posez maintenant la question, quelles sont les conséquences observables du fait que la Lune ne tombe pas avec la même accélération que la Terre vers le Soleil? Vous avez l'analogue du problème de Stark. Le problème de Stark, c'est que vous prenez un atome d'hydrogène, vous avez le proton, vous avez l'électron, et puis vous mettez le tout dans un champ électrique. Eh bien, le champ électrique, il va agir différemment sur l'électron et sur le proton. Donc, vous avez des forces internes, et c'est ce qui se passe ici. Vous avez cette espèce de champ électrique extérieur qui tire de façon différente sur la Lune et sur la Terre. Et quel est l'effet là-dessus? Eh bien, vous trouvez que ça devrait polariser l'orbite de la Lune autour du Soleil. En fait, le calcul a été fait pour la première fois par Laplace. Et Laplace, déjà, avait compris que c'était une très bonne limite sur le principe d'équivalence qu'il obtenait cette fois. Le calcul a été refait au XXe siècle, avec une précision améliorée, parce que si vous voulez vraiment faire les choses, il faut pousser la théorie de la Lune à un ordre très grand d'approximation, inclure des effets relativistes, etc. Ça a été fait, et vous trouvez que vous avez bien... ça, c'est pour calculer quel serait l'effet observable de la présence de ce terme-là. Okay? Et cet effet aurait un effet
assez grand. Et du coup, comme on ne le voit pas, parce que maintenant, si on regarde les données Terre-Lune, on ne trouve aucune trace d'un tel phénomène de polarisation comme ça de la Lune. Et donc, ça met une limite sur cette combinaison-là à cause de cet effet d'autogravitation. Et cette limite-là, donc, elle vient du fait que l'accélération de la Terre et l'accélération de la Lune vers le Soleil sont identiques à une précision que j'avais déjà donnée, 0,1 plus ou moins 1,3, 10^-13. Ça, c'est un fait expérimental. Le fait expérimental, c'est que si vous rajoutez un terme où l'accélération n'est pas la même, vous trouvez que ce terme doit être plus petit que 10^-13. Mais maintenant, en partant de ce 10^-13, vous avez à tenir en compte de quelle est la grandeur de la partie de la masse de la Terre qui est due à son autogravitation gravitationnelle. Donc du coup, ça enlève beaucoup de décimales. Mais à la sortie, vous trouvez que eta, qui est donc cette combinaison, 4 bêta moins gamma moins 3, est compatible avec 0 et au niveau 10^-4. Donc ça, en tout cas, on est sûr de ça. Donc, conclusion, si vous mettez cette limite sur gamma qui est à 10^-5 là-dedans, il y a d'ailleurs un facteur 4 ici, vous en déduisez que gamma ne diffère de 1 que 10^-5 et que bêta ne diffère de 1 que de 10^-4. Bien. Alors, à ce stade-là, on pourrait dire, bon, allez, ça y est, la cause est entendue, la relativité générale est exacte, et on ne va plus s'inquiéter du fait qu'il pourrait y avoir d'autres théories. Alors, en fait, ça n'est pas aussi simple que ça, à la fois parce qu'il est toujours utile de se poser la question de savoir est-ce qu'on a sondé tous les aspects de la théorie, et la prochaine fois, je dirai comment dans les pulsars binaires, on teste la théorie de façon plus profonde parce qu'on va chercher à la fois des effets radiatifs au cinquième ordre en V sur C et puis des effets d'autogravitation qui sont beaucoup plus forts qu'ici. Aussi qu'ici, j'ai pris qu'une théorie scalaire et il peut y avoir d'autres théories qui sont, hein, certaines personnes, y compris dans cette salle, développent d'autres déviations possibles à la théorie d'Einstein. Mais le point que je voudrais dire aussi, c'est que même si on devait en conclure qu'aujourd'hui, alpha, le coefficient de couple, parce que en théorie scalaire, remarquez que les deux termes, gamma et bêta, j'ai peut-être effacé bêta, mais bêta moins 1 était alpha, la dérivée de alpha par rapport à phi, alpha sur 1 plus alpha 2 carré. Il était aussi proportionnel à alpha 2. Donc en fait, les tests sur bêta sont en un sens moins intéressants, parce qu'une fois que vous savez que alpha 2 est plus petit que 10^-5, il y a peu de chances que bêta diffère de 1. Et donc la vraie question, c'est si je sais aujourd'hui et je sais que alpha est plus petit, alpha carré est plus petit 10^-5, est-ce que ça veut dire qu'un champ scalaire est exclu? Eh bien, pas forcément, parce qu'il existe ce qui s'appelle un mécanisme, et je vais finir là-dessus, d'attracteur cosmologique que l'on avait discuté il y a un certain nombre d'années avec Ken Nordvet et avec Sacha Polyakov, qui dit que si je prends un champ scalaire sans masse, c'est-à-dire qui n'a aucun potentiel V de phi propre, et que je considère justement cette courbe-là, A en fonction de phi, et que je considère l'évolution cosmologique. Alors maintenant, je traite la cosmologie avec ce champ scalaire, donc ce champ scalaire est couplé à la matière, etc. Et finalement, vous trouvez qu'il y a un potentiel effectif qui détermine l'évolution cosmologique du potentiel scalaire et que ce potentiel effectif, il est proportionnel à la densité de matière et à la fonction A de phi. Et du coup, si la fonction A de phi avait un minimum quelque part, l'évolution cosmologique sera telle que ce champ phi aura tendance, peut-être après quelques oscillations, à aller au minimum de cette fonction A. Or, quel est le couplage alpha? Alpha est égal à la dérivée, c'est-à-dire la pente de A. Mais si vous êtes attiré vers les minimums de cette fonction A, ça veut dire que vous êtes attiré là où alpha est nul. C'est ce qu'on appelait avec Sacha le principe de decoupling. C'est-à-dire que, naturellement, un champ scalaire a tendance à évoluer en cosmologie vers un point où il se découple de la matière. Donc le fait qu'aujourd'hui, on ne trouve pas un champ scalaire n'empêche pas que peut-être il était très important au début en cosmologie au départ. Ça, c'est un mécanisme possible. Il y a des versions qui ont été développées plus récemment. C'est-à-dire, si vous rajoutez des termes en potentiel en 1/2 de mφ2, en fait, ça ne change pas grand-chose, sauf que ce qui va dominer, c'est le minimum de ce potentiel-là.
Donc, par exemple, on peut être attiré ici à phi égale à 0, et la fonction A pourrait être non plus un minimum, mais un maximum, pour expliquer pourquoi. Hein. Et si vous prenez des potentiels du genre quintessence, qui à un certain moment ont été un peu utilisés en cosmologie, Curie et Veltman ont montré que vous avez une situation où vous avez deux... vous avez cet effet-là qui agit, et puis vous avez le potentiel de quintessence. Donc vous êtes attiré vers un autre point et vous avez une phénoménologie possible. Donc il pourrait exister un champ scalaire, mais il peut y avoir des mécanismes qui font que le champ scalaire se cache et que naturellement, évidemment, au bout d'un moment, s'il se cache tout le temps, c'est plus intéressant de penser qu'il y a un champ scalaire. Mais bien, la prochaine fois, on parlera des tests en champ fort et dans les pulsars binaires. Merci.